Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Final Fantasy IX, notre découverte évidemment, j'espère que vous allez excellemment bien. On se retrouve donc après une semaine d'absence, effectivement j'ai pas streamé ces derniers jours, voilà. On se retrouve donc pour la suite après la destruction de Clara, et désormais il semblerait que nous retournions donc vers Alexandrie, la capitale. Et donc bonsoir Vivares, Aurelius et tous ceux qui sont présents, il y a du Ice Shard, il y a également du Kingness, j'ai vu, bref. J'espère en tout cas que vous allez bien. On est donc parti sans plus tarder pour la suite de notre aventure en compagnie de Jidan et des autres. Et on va essayer d'aller retrouver peut-être Rey aujourd'hui quand même, ce serait bien. Et donc Vivi avait trouvé peut-être un plan. Bref, j'espère que tout va bien, j'espère que tout fonctionne bien, que le son du jeu est bon. On est donc parti les amis pour la suite. Ah voilà, donc Vivi avait bien et bien un plan avec ses Pow. Et donc on était avec Freya et on avait perdu Pouic. Non, ça va pas une semaine sans PS4, ouch. Salut, je pense un petit bonjour, mais je reste pas de... Oui, bien évidemment. Ça va bien, merci Kingness. Bibi a quelque chose à te dire. Oui. Mais je lui parle à lui, en fait, Freya. Ferme-la. Dis, Jidan, tout à l'heure, le soldat a ordonné à ses hommes de retourner à Alexandrie par vasque de téléportation, n'est-ce pas? Oui, tu as raison. Allez, touche là-dedans. Sans plus tarder. Youhou! Et Vivi, il est en mode, je suis un traître. Concentrez-vous. Rey, j'arrive. Et nous partons comme un paix au vent. Direction Alexandrie, c'est parti. Elle est partie au nettoyage et changement de pâte thermique. Ok, carrément. Il faut qu'on s'évade. Donc ça, c'est Steiner. Hein. Vous êtes sérieux? On ne peut pas rester là. Je veux dire, ça me va, mais... Continuez! Ok, donc là on va vraiment faire le système de balancier. Dans l'autre sens! Let's go! Oui. Ah d'accord, faut vraiment arriver. What's up? Bon stream à la prochaine. Ok, bye Kingness, merci de passer, à bientôt. Mais qu'est-ce que t'as dans l'autre sens? Mais qu'est-ce que tu as? D'accord, faut qu'on soit synchro. Mais qu'est-ce que tu prends, Michel? Le mec, il tire pas dans le même sens, mais t'es giga con en fait. Mais pourquoi tu fais ça? Arrête! Il fait de la merde! D'accord, il veut qu'on tire deux fois d'affilée, c'est ça? Bon, on va finir par sortir d'ici, non? On va finir par quitter ce truc de mort là. Bon. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Ah oui! On a pris le mur. Ok. C'était laborieux, mais c'est bon. J'arrive, princesse! Donc c'est vrai que Steiner, lui, il était OP au combat. Il n'y avait pas de soucis. Bonjour, Brutus! Au revoir, Brutus. Normalement, ça devrait bien se passer.
Ah, ils sont nombreux. Bon, deux. Ça va, j'ai Sanguine avec moi, ça devrait aller. À l'attaque! Ouais, ils me font pas assez mal. Hop là! Ah, mais dans tous les cas, je vais te découper en fait, c'est ça que t'as pas compris. Steiner est juste increvable. C'est bien, il va faire de l'XP un petit peu, Steiner. Il lui en faut. Je vais faire les combats en auto, puisque de toute manière, Steiner, logiquement, il risque pas grand-chose. Je suis immourable. Ça ne se dit pas, évidemment. Mais pourquoi vous fuyez comme des lâches? Mais enfin... Que vous arrive-t-il? Ah, attendez, il y a une... Ah, non, non, non! Je voulais voir l'échelle, moi. Quel dommage. Bon, Marcus est toujours en PLS, hein, la base. Mais arrête de fuir! Ça le lâche! Tu n'y couperas point! Je vais fuir pour ma vie. Allez, venez là, venez vous battre. Je vous attends, bande de feignasses. Voilà, toi tu meurs. Cette épée est OP. Ah putain, mais arrêtez de fuir. Bande de lâches. Parce que du coup, ça me fait deux fois moins d'XP, moi, cette merde. Mais au moins, c'est en train de Steiner, donc c'est pas plus mal. Ouch. Je suis largement heal. Ah mais putain, en fait quand je tape trop fort, elle fuit. Bande de lâches! Je m'en vais. A plus dans le bus. Oh! Regardez, c'est les futurs logos de Kingdom Hearts 3. Princesse! Je veux dire, je pars pour la forêt maudite. Je m'occupais de Frank. Ok, à plus. Ah, quel ingrat! Je suis seul au monde. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ah, bah, comme par hasard, pile à ce moment-là, il y a Micheline et compagnie qui débarquent. Vaurien, qu'est-ce que tu vas faire ici? Oh, ce vieux Steiner, on est bien à Alexandrie. Je n'ai pas le temps de répondre à tes questions. Je dois sortir d'ici au plus vite pour aller secourir la princesse. Et j'ai pas besoin d'en savoir plus. Allez, on va la sauver. Let's go. Il n'en fait qu'à sa tête comme d'habitude. Qu'est-ce que t'as? Bon, papy, tu viens ou tu veux qu'ils aient le temps de tuer Ray? Tuer la princesse, ne dis pas de bêtises. C'est vrai, grand-père. Quand la reine Branette reviendra, ils tueront la princesse. Je l'ai entendu. Ah, si c'est Vivi qui le dit alors. Est-ce bien vrai, monsieur Bibi? Oui, on n'a plus qu'une demi-heure. Allez, il faut retrouver Ray. Oh, putain, c'est chronométré, quel enfer. Ok, j'ai la pression, là. Hé, hey, mais c'est Marcus. Je m'occupe de tout. Ok. Chef. Chef. Merci. Je veux dire, mais je vais à la forêt maudite m'occuper de Frank. Je te fais confiance pour ça, nous on s'occupe de Ray. Allez, let's go. Steiner, le mec qui a genre 30 ans et qui s'est fait appeler grand-père, c'est ça. En même temps, les autres, ils doivent avoir 15 ans à tout casser. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre, c'est ça? On va les enchaîner comme des... Putes. Vous allez juste mourir en permanence en fait, c'est ça. Ce que vous avez pas compris, c'est que vous allez juste mourir. Bon, à tous les coups, elle doit être dans le château. Ou alors non, c'était un piège. Elle est peut-être dans la tour où on allait la dernière fois avec Steiner, vous savez, dans les prisons. Oh bordel. Non, non, la rose rouge n'est pas encore rentrée. D'accord. Quoi? Mais on en veut à la princesse. Mais non, je... Enfin... Il me semble avoir entendu pile et face dans la chambre de la reine. Ok, donc la chambre de la reine dans le château. Merci pour ces précieux indices. Bibi 9, Jidan et la princesse 15-16, les autres autour de 20, je crois. Ok. Vous allez vous faire massacrer. Pas touche à mon Bibi.
C'est mon bibi à moi. Pas touche. Sinon on va se battre, hein, je te préviens tout de suite. Donc la chambre de la reine, ça doit être par là-bas. Excusez-moi, je fais que passer. J'aime parce qu'il y a des gardes qui s'en battent les couilles, hein, d'autres qui sont en mode bon. Salut. La princesse est revenue. Non. La princesse, elle doit être dans sa chambre ou peut-être dans celle de la reine, non? Donc à l'étage. À tous les coups. Parce que là-bas, il y a des bibliothèques. Hop là, excusez-moi, monsieur. Ça, c'était le truc du théâtre, ok. Il n'y a rien ici. Ah, barrez-vous. Con de mime. Ok, elle venait d'ici la dernière fois, Ray. Du coup, il y a un beau secret très dur si tu veux dans la bibliothèque. À faire maintenant ou il peut être fait plus tard? Moi, je suis. Plus tard. Ah, bah c'est bon, si on peut le faire plus tard. On se garde ça pour la prochaine fois. Non, oui. Ah putain, je vais me faire aggro par toutes les pélos du coin là. Laissez-moi! Mais le pauvre Vivi, arrêtez de le frapper comme ça. Le pauvre, il vous a rien fait. Ouais, vas-y, détale comme un lapin. Bande de lâches. Bon, tenir, j'ai pas trop le temps d'y réfléchir à tout ça. Y a quoi là? Ça, c'était la chambre de Rey, ça. La chambre de la reine, c'est à droite en sortant d'ici. Ok, donc c'était la porte centrale qu'il y avait là-bas, ok. Excusez-moi. Je cherche la princesse. Oh, damn. Je crois que plus tard, ce sera ta dernière possibilité. Oui, mais on le fera plus tard. Ah, et où es-tu? Il doit y avoir un passage secret. Non. Aha. Vraiment étrange ce chandelier. Vas-y, on le fait bouger pour voir. Oh bah tiens, un passage secret, je ne m'y attendais pas. Qui aurait pu y croire? Oh fuck. Ok, il y a tout un truc de timing. Si je veux aller récupérer les coffres, il faut que je saute là. Une mimique, Nothung. Tente. Oh non. Non. Allez, jeu de merde. Bon, elle doit pas être en face. Non. Elle doit être plus bas. Il y a des cellules. Pourquoi y a-t-il une prison dans la chambre de la reine? Là est toute la question. Alors là, il y a une porte, mais je peux pas y accéder. Là, il y a un autre système de poulies. Bon, elle doit bien être ici, non? Tout de même. Qu'est-ce que... C'est pile et face! Oh, je vais tellement vous péter la gueule. Pour ces esclaves sexuels. Que faites-vous ici? Il faut toujours que l'on nous dérange. Nous ne vous le pardonnerons pas. Ok. It's time to fuck up these little guys. Ok, il est temps juste de vous baiser votre mère en fait. Bande de petits enfoirés que vous êtes. Allez, on va d'abord péter la gueule à face. Oh, 696 de dégâts, not bad. Mini météore. Prends ça dans ta gueule!
J'ai même pas vu s'il y avait des trucs à leur voler, je suppose que oui. Face à Atomium. Ok. Jidan, c'est quand tu veux. Hein. La puissance d'Atomium a été neutralisée. Oh oui. Mythe armure, ok. Ah, j'ai cru qu'on l'avait baisé pile. Par contre, Freya est en recul, donc je crois qu'elle tape moins fort. Peut-être, peut-être. Ryuken. Rien à voler. Ok, donc lui, le rouge, c'est bon, je l'ai éliminé. Oh, Steiner, il va se transformer! Oh oui! Le super Jedi arrive. 602 de dégâts. Bon, Steiner il est invulnérable, hein, très clairement. Ok, il suffit juste de leur donner un coup et c'est bon. C'est rentable. Bon, on va finir le rouge. Partisan, j'ai volé. Donc ça doit être une arme à tous les coups. Oh, partigiano. Ok, lui, c'est bon, je l'ai baisé. Ah non, il recule. La transe, c'est mon ultime préféré des FF. Yes. Ah, nous nous en souviendrons. De toute façon, nous n'avons plus besoin de la princesse Grenat. Ça fait du bien de le dire. Ok. Non, elle a perdu toutes ses chimères. Tu ne sers plus à rien, Grenat. Hé, hey, réveille-toi. Ray, on est là. Mamselle. Princesse, j'ai failli à ma mission. Je vais me faire harakiri. Non. Princesse, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, je ne suis pas digne d'être chevalier. Non, je ne suis pas digne d'être né. Carrément. Elle n'est pas encore morte. Oui, je sais. Freya, il faut sortir d'ici en vitesse. Ray, tu vas aller mieux, tu vas voir. Active time event. Amitié. Aha, il y a Frankie qui va se faire libérer. Je veux dire qu'à force de courir, je suis fatigué. Mais je peux pas m'arrêter, je dois sauver Franck. Ah! Non, je ne peux pas échouer ici. Ok, il a l'air de galérer un petit peu Marcus, mais c'est ok. Bon, il n'y a plus de timing déjà, ça c'est pas mal. Faisons une petite sauvegarde. Allez, on sauvegarde. Compo. Ouais, on va pas sauvegarder par-dessus ma partie rush. Je sens bien qu'il va falloir passer par ici. Ah, c'est là où il y avait le piège, ça, ok. J'aime bien cette musique. Pourquoi je sens que ça va être la merde là-haut? Je sais pas pourquoi, pour remonter ça va être beaucoup plus galère, je sens. Non, même pas. Étonnant. Par contre, dans la chambre de la reine, on va avoir un souci, non? Faut bien qu'à un moment ça se complique un petit peu. On va te sortir de là, Ray. T'en fais pas. Ah merde, j'ai pas pris le bon. Je suis giga con en fait. Et voilà. Suffisait de demander. On dirait que personne ne nous suit. Ok. Pourquoi ? Sa Majesté a-t-elle fait ça, la princesse ? Moi, Steiner, je donnerai ma vie pour défendre ma chère, très chère princesse. Ça devrait être pareil pour Sa Majesté, non ? Tu sais, Steiner, je te comprends très bien. Jidan ?
Mlle Ray va continuer à dormir. Mais non, elle est juste fatiguée. On va la laisser se reposer un peu, d'accord? Merci. Bon bah... Douce nuit... Si j'étais resté avec elle, je serais rien arrivé. Je suis désolé, Ray. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne te ressemble pas à ce que tu es en train de dire. Avant, dans un moment pareil, tu t'en serais pris à moi. C'est pas vrai. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris que... Si la colère et la haine sont trop grandes, on oublie ses sentiments. On peut même plus en pleurer. Jidan. Ils sont là. Ce sont eux. Encore vous, les deux connards? Ah merde. Steiner, il y avait longtemps. Qu'as-tu fait pendant tout ce temps? Ne me dis pas que tu t'es accoquiné avec ces barbares. Quoi, c'est nous que tu traites de barbares? Tu n'as toujours pas compris à ce que je vois. Oh oh. Oh damned. Troisième combat versus Beat. Ça sent la merde. Ça sent vraiment la merde. Boum, du 200 de dégâts. Oh, presque 500. Ça commence à être rentable les attaques de Bibi. Ça c'est bien Steiner, comme ça il se heal quoi qu'il arrive. Non Bibi! Bibi! J'ai volé un renaissance. Hallebarde! 370 de dégâts, ok. Putain, Jidan il va tellement mourir. Choc. Quelle salope. Non, pas Gigi. Non, pas Dadan. Oh. Quel enfer, bordel. Ça va être un carnage. Ça va juste être un carnage, hein, vraiment. Non mais putain, laisse-la tranquille. D'où l'expression se prendre la bite à ça. Une sacrée bite, hein. Mais putain, laisse Jidan tranquille, salope! Bon, Steiner, comme ça, au moins, il se remet un peu de vie. Ah, mais putain, Jidan, il prend tellement cher! Bon, Steiner, lui, déjà, ça va. Il est full life. Freya, faut qu'elle saute à chaque fois. Comme ça, au moins, elle esquive ses attaques. Je détruirai tous les ennemis d'Alexandrie. Mortimer! Bon, d'accord. C'était la fin du combat. Ok. Ne revenez plus jamais par ici. Oh, well. It's okay. Vous êtes bien trop faible pour espérer me battre. Attends un peu.
Tu es général de l'armée d'Alexandrie, c'est bien ça? C'est quoi pour toi ta mission de général? Tu devrais protéger Rey, pardon, la princesse Grenat, non? D'après toi, qui est évanoui sur ce trône? Mais... c'est la princesse? Je vois. Sa Majesté a donc essayé de la tuer. Quoi? Sa Majesté aurait-elle fait une chose pareille? Steiner, je n'ai qu'une chose à te dire. J'ai hésité trop longtemps, mais c'est fini. Je dois reconnaître que je me suis trompé. Oh, well. Ça m'ennuie de le dire, mais elle a raison, Steiner. Je pense que mon crime à l'égard du peuple de Blue Messia est impardonnable. Bien sûr, je ne saurais te pardonner aussi facilement. Mais pour le moment, j'aimerais sauver Rey avant tout. Freya. Il va falloir prouver ton courage. Puis-je compter sur toi pour sauver cette jeune fille? Je ne sais pas jusqu'où va mon courage. Mais je ferai tout ce que je peux pour vous aider. Princesse, laissez-moi vous aider. Notre sortilège ne disparaîtra pas aussi facilement. Je vais vous baiser, les nains. Ce que vous faites est inutile. Et jamais 203. Niqué. Princesse, comment vous sentez-vous? J'ai mal à la tête. Rey, c'est moi, Jidan, tu me reconnais? Mademoiselle Rey, princesse! Oh, vous êtes tous là! Mais Whipwick, qu'est-ce qui se passe? Ces gens ont enlevé la princesse Grenat. Je vois. Vous lui avez enlevé toutes ses chimères? Nous les avons toutes enlevées! Alors arrêtez Grenat et mettez-la dans un cachot. À vos ordres! Retirez cet ordre! Oh oh! On me contredit? Votre Majesté, j'ai pour mission de protéger la princesse. C'est pourquoi je ne laisserai personne s'en prendre à elle. Je m'occupe de tout, fuyez! Je reste, Jidan, partez vite! Il n'y a pas deux minutes, vous étiez ennemi et maintenant vous êtes complice, comme c'est intéressant. Pile, face! Ils m'ont vraiment énervé, massacrez-les sans pitié! Mère! Freya, couvre-nous! Compte sur moi! Let's go! Allez, Rey, on y va! Princesse! Putain, mais Steiner, quelle grosse merde! Oh putain! Mêlée en pièces! Oh bordel à cul, ça sent la merde! Bon, après, apparemment, j'ai Beate avec moi. Oh! Foutu! Langue. Ah merde, elle a endormi Beate! Ça commence mal. Tu. Là, tu prends cher, salope. Putain, mais... Foudrôle! Je vais te terrasser, saleté! Pourquoi sur lui ça fait que dalle de dégâts alors que sur nous ça nous tue? Il est mort! Bon, mais merci pour rien, Beate. Hein. Merci pour rien. Oh putain de merde, il me court après. C'est un enfer sur terre. Ah t'es baisé, c'est dommage. Ah ah, c'est bien ce qui me semble là. Oh damn. Des mages noirs. Bon sang, on est encerclés. Tuez. Allez, let's go. C'est y part. Ah, c'est vrai que j'ai récupéré Grenat aussi dans mon équipe, ça c'est bien. Enfin. On va vite les finir, je pense. Pas touche à Rey.
Voilà, moi je vous dégomme. C'est quoi le souci? Qu'est-ce qu'il y a? Baisse la tête. Baisse les yeux. Ok, d'accord. Oh bordel. Ah! Il y a le poilu qui redébarque. T'es quoi exactement, toi, comme merde? Ah, ils sont deux en plus. Et je vais te taillader, je vais en faire des faritas de ces animaux de compagnie là. Ah bah en plus il a l'item pour se protéger de la foudre, comme c'est dommage. Steiner juste immortel, hein, jusqu'à la fin. Et Steiner il est où? Dans ton cul. Mais pourquoi? Allez mon vieux, dépêche-toi, on t'attend. Puis-je rester ici? Bah pourquoi faire? Béat s'est révoltée contre sa majesté à qui elle avait juré fidélité. Et bien qu'elle ait tué ses amis, Freya combat à ses côtés pour protéger la princesse. Et vu la colère de sa majesté, elle les tuera toutes les deux. Jidan, j'ai une requête à te présenter. Oh là, ça s'arrange pas. Conduis la princesse saine et sauve jusqu'à chez Maître Toto. Il saura comment sauver Alexandrie et y ramener la paix. Pas de problème, tu peux me faire confiance. Moi aussi, je ferai de mon mieux. Monsieur Jidan, Monsieur Bibi, j'ai entièrement confiance en vous. Monsieur Jidan, oh là là. Princesse, adieu. Non, Steiner. Ils font ça pour moi. Exactement, Ray. Ils font ça pour toi et pour Alexandrie. Et ils vivent pour eux-mêmes. C'est pour ça qu'on peut pas rester ici. Pour ça que tu dois pas mourir ici. Tu dois vivre. Mais moi, je... Oh bordel, c'est pas le moment de réfléchir. Let's fight again, guys! Bon, heureusement, Jidan, il fait pas mal de dégâts. Il va pouvoir pas mal essuyer les pertes. Pute! Mais it's okay. Allez, enfonce! Ah! Freya! Oh oh. Ça va, vous y arriverez? Il m'en faut plus pour mourir. C'est un beau temps pour mourir dignement. Bon là je peux clairement faire des combats aléatoires, ça suffira. Ah oui, 930. Ah mais d'accord, elle les kill en un coup, ok. Elle se gave en fait, Béat. C'est nice. Il était temps. Il est trop tôt pour se relâcher. Steiner? Aldebert Steiner, capitaine des Brutos. Je viens prêter main forte à vos deux admirables personnes. Plus tard les présentations. Ok, donc là les teams sont clairement en train de se diviser, de se recomposer. A voir comment ça va se passer jusqu'au bout. Je ne crains point la foudre. Béat, oui par contre. Tu 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 tu. Nice. Du coup, ça c'était la salle où c'était piégé. Du coup, j'imagine que la sortie. Ah, ok, c'est bon. La sortie est de nouveau dispo. Oh merde. On est piégé. Nous vous avons encore eu. La vie est toujours aussi belle. Venez vous battre, sale lâche. C'est là notre façon de faire. Vous ne nous dérangerez plus. Ça ne marchera pas à tous les coups. Oh yeah. Désolé de t'avoir fait attendre, Jidan. Frank. Oh yeah. Frank, par ici. Attends, laisse-moi le temps de me remettre. Mais si on se dépêche pas, Jidan et Ray vont être en danger. Ray, c'est qui? La nouvelle conquête de Jidan? Je veux dire, c'est vrai que t'es pas au courant. Salut Amelia, comment ça va? Hein, qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien. Plus vite, Frank. Voilà, voilà. ça va très très bien. Et quand j'ai su ce qui se passait, on a rappliqué aussi vite qu'on a pu. T'es vraiment un type bien. Tu le sais ça? L'arrêt de la Gorgone est juste à côté. Franck, Marcus, je... Oh ça va. Plus tard les remerciements, pour l'instant partez vite. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Je te revaudrai ça, Franck. Allez, on y va. Let's go. Poporo.
C'est par là que vous êtes arrivé ? Ray, qu'est-ce qu'il y a ? C'est rien. C'est normal après ce qui t'est arrivé. Voilà quelque chose ! C'est la Gorgone qui redémarre. C'est ça la Gorgone ? Oui, on va monter dedans ? C'est pas le moment de traîner, montez ! Let's go. Ray ! Que dois-je faire ? On y pensera plus tard, pourquoi ils sont restés ici d'après toi ? Parce qu'ils le voulaient, parce qu'ils devaient se battre. Beat, Freya, Marcus, Frank et même Steiner, ils sont tous pareils. Tu dois respecter leur volonté, c'est tout ce que tu as à faire. Ok. On est parti. Et Jidan, par contre, non. Le pauvre. Dites, où on va ? Pour l'instant, on va à Traino. Après, on verra. Jidan est vachement au courant, quand même. Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est... Oh bordel, c'est le lombric de la dernière fois, c'est ça ? Saloperie ! C'est son prédateur, c'est ça ? Fais attention, il n'est pas comme avant. Il m'a l'air légèrement plus dangereux, ouais. Ok. Cette fois-ci, il est plus rose, il est vert. On va essayer de voler. Du coup, j'ai plus rien à invoquer. Kaorlan, salut. Tu utilises le mode d'accélération des amélioration des textures ? Non, parce que je suis sur PS4. Je suis sur la version PS4 du jeu, pas sur la version Steam. Hop là. Mais salut à toi, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Voilà, il va prendre cher normalement avec le brasier, non ? Oh oui, un petit 680, ça fait plaisir. Vol raté, encore et toujours. Oh d'accord, ça va très bien, merci. Hop là. Ah, il fait des foudres plus quand même, ce sac à merde. Ah, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oh, Ray qui se transforme, enfin. Ferry. Ok, bon, à l'état actuel, je sais pas si elle a de nouvelles choses, mais... Je sais pas trop à quoi ça m'avance d'avoir l'état de transport rail pour l'instant, mais c'est ok. Ah putain, encore le vol raté, quoi. On va encore essayer de le voler, tant qu'à faire. Ouch! Il fait quoi l'autre? Bon, Bibi, clairement, là, il est en train de faire. C'est le MVP du match, Bibi. Tu as déjà fini? Non, je suis en pure découverte là. Je suis en full découverte. Hop là. Ah, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi en tout cas. J'espère que tu vas bien. Hop là. Ouais, non, je suis en full découverte du jeu là. Je l'ai jamais fait. Hop là, je suis à une dizaine d'heures de jeu là. Ok, il utilise Carapace. L'intérêt de sa transe, c'est son petit cul. Yes. Bon, on va soigner Ray. Ah, Gil-Adaman. On verra ce que ça fait. Gil-Adaman. C'est un truc pour les... Gilet Adamantium. Maybe. Je vais voir si je peux encore lui voler un truc, mais je crois pas. Et je pense qu'il va pas tarder à mourir quand même. Tu fais le meilleur. C'est pas encore la win. Je te conseille de bien level et tout, de tout fouiller pour avoir les meilleurs objets. Yes, c'est ce que je fais au fur et à mesure. C'est ce que j'essaye de faire au maximum. Hop, on va soigner Bibi. Oh là par contre il va prendre giga cher. Là ça c'est bon, ça c'est fait. J'ai pas vu si je pouvais encore voler des trucs. Et trois quarts du temps je fais même pas attention à ce que fait Jidan au final, je me rends compte.
Allez, le double brasier plus entrant, ça, ça va faire plaisir. C'est la win, ok. Il a manqué juste un. Parfait. Ouais, parce que du coup, j'ai commencé à en faire quelques-uns de FF, mais pour le moment, j'aime beaucoup le 9. Ouais. J'avoue que là, en termes de découverte, je prends beaucoup de plaisir dessus. Oh oui. Plein de sorts plus. Et voilà. Elle bouge. Elle se traîne un peu, non? Hé, hey, accélère! La pauvre, elle a encore peur. Elle peut pas aller plus vite. Ah, pourquoi? Elle accélère, tu vois. Quand elle veut, elle peut. Quel con. Tu te trompes, Jidan, regarde. Ah, elle est en train de fuir un truc, évidemment. Le retour du lombric. Il nous suit. Ah non, cette vitesse, nous allons rater le traîneau. C'est un véritable enfer. Ah, des pulus. Le 9 c'est le meilleur, je l'ai fini 3-4 fois avec les persos mini level 60, pas mal. Pas mal du tout, mais j'attends de voir, ouais. Qu'est-ce que... Comment on va branler ça? Je crois qu'on vient de dépasser l'arrêt. Bon sang. Et on peut même pas descendre. Jidan, devant. Quoi? Ah. La route. Ah, on va tomber. Je comprends rien à ce qui se passe. On se calme. Oh bordel. Une sortie. Évidemment, tout se passe mal parce que sinon ce serait trop facile. Merde. Votre Majesté. Ah, j'adore cette musique. Vous nous gênez. Allez, laissez-nous passer. J'ai ordre de ne pas vous laisser entrer dans la chambre de Sa Majesté. Donnez-moi votre message, je le passerai à Sa Majesté. Donnez-moi votre message. Ceux que nous avions l'ordre d'appeler sont arrivés tout à l'heure. Bon, je te laisse à bientôt, je go sur FF14. Ok, bye, merci d'être passé, à bientôt. Pouvons-nous les laisser passer ici? Je vais demander la permission à Sa Majesté, restez là. Votre Majesté. Bien. Dites-leur de venir voir Sa Majesté. Ce n'est pas la peine que vous reveniez. Oh, qu'est-ce que cela veut dire? Sa Majesté est en colère contre vous à cause du pendentif. Elle ne veut plus vous voir. Oh, damn. Allez leur dire de venir voir Sa Majesté, vite. Ça, c'est fait. Oh non, qu'est-ce que nous allons faire? Sans l'appui de Sa Majesté, nous ne pourrons plus rester au château. En tout cas, il faut vite les appeler. J'aime bien le thème musical de Pile et Face, franchement. Oh! Quel beau spectacle! Oula, eux ils rigolent zéro. T'es qui? Laisse-moi passer, j'ai des ordres de Sa Majesté. Pousse-toi, je suis pressé. Ok. Sois bien poli devant Sa Majesté. Quoi, tu parles? Pour qui tu me prends? Je n'ai jamais raté aucune proie. On m'appelle l'ami, la belle chasseresse. Ne l'oublie pas. Sinon, je te tranche en deux. Yes. Oh, votre majesté, je suis très heureuse de vous voir. Vraiment heureuse de vous voir en si bonne santé. Arrête de me parler de cette façon, j'ai l'impression que tu ne connais pas les bonnes manières. Mais votre majesté, est-ce que vous m'avez appelé pour m'apprendre les bonnes manières? Surveille ton langage. Je vous ordonne d'accomplir deux missions. Primo, récupérer le pendentif que Grenat a emporté dans sa fuite. Secondo, tuer le mage noir qui accompagne Grenat. Il est vêtu de bleu, comme eux. Qu'est-ce que c'est que ces hommes? Ce ne sont pas des hommes, ce sont des golems sans âme. En ce moment, il y a des mages noirs de mauvaise qualité qui se baladent un peu partout. Il faut les récupérer avant que d'autres pays s'y intéressent. Je sais que les affaires du château ne me regardent pas. Pardon, je sais que les affaires du château ne me regardent pas, mais si la princesse Grenat nous résiste... Surveille ton langage! Tu dois récupérer le pendentif! D'accord, je pourrais donc utiliser cette arme. Je vais régler ces missions plus vite que ce grand gaillard. Permettez-moi de me retirer, Sa Majesté. Le rouge. J'ai entendu dire qu'un homme avait une queue agissait de concert avec la princesse, c'est vrai?
Ce singe, il me gêne tout le temps. Si tu le tues, je te récompenserai. J'étais sûr qu'il serait avec la princesse. J'en fais mon affaire, j'accepte votre offre. Qui es-tu? Votre Majesté, votre flotte va passer sur le littoral. La Rose Rouge est prête à appareiller. Ce moment est enfin arrivé. Allez, il est temps de partir. Ok. On va aller où comme ça? Pinnacle Rocks. Ok. Mère. Je... Bibi, nous sommes sauvés. Où sommes-nous? C'est Pinnacle Rock, pas loin du château de Lindblom. Pinnacle Rock? Lindblom? La Gorgone nous a amenés jusqu'ici? Oh. Où est Freya? Où sont Steiner et Bit? Et puis, où est Jidan? Il se promène près d'ici. Rey, t'es réveillé! Youhou! C'est dangereux ce que tu fais, Jidan. T'es pas blessé? Jidan, où sont les autres? Yo, Priamcheux, comment ça va? Je sais pas, on est arrivé vraiment loin. Mais t'inquiète pas trop, les Tantalas nous aideront. Bientôt le jour va se lever, c'est pourquoi ils nous cherchent à C'est possible qu'ils nous cherchent à Traîneau en ce moment. Est-ce que nous pourrons emprunter un vaisseau à Lindblom une fois à la porte sud? Traîneau n'est plus très loin. C'est vrai. Bindez-vous, monsieur, ça va, ça va. C'est vrai. Oh, je suis papy, papy Deus Ex Machina. Quoi, un ennemi? Oh, il dépend de ce que je... Il ne dépend de vous que je sois votre allié. Je m'appelle Ramu. Oh, pardon, Ramu. Il me semble connaître ce nom. Oh! Dans la bibliothèque du château, j'ai trouvé votre nom dans un document historique sur la magie chimérique. Êtes-vous Ramu le Terrible? Oh, oui. Sais-tu que ta magie chimérique a détruit Cléra? C'est pas moi. Une chimère est toujours fidèle à la volonté de celui qui l'invoque. La magie chimérique a provoqué un accident tragique, car son utilisateur était trop avide. Oh non, c'était ma mère. Je ne savais pas ce qu'elle faisait. Mais moi, je ne sais qu'être protégé. C'est pas de ta faute, Rey. Ils sont toujours avec toi. Alors, ils sont toujours avec toi, alors ils sont restés là-bas. Je ne le savais pas. Certes, ce n'est pas toi qui as détruit Cléra. Je n'aurai qu'une question. Que vas-tu faire? Si j'étais plus forte, si je pouvais contrôler mes chimères. Je vous en supplie, prêtez-moi votre force. Veux-tu encore faire des bêtises? J'avais peur de la magie chimérique. La magie chimérique est redoutable, mais... Oh, je suis Ramu. J'erre dans ce monde depuis que j'ai perdu mon dernier hôte. Il y a déjà très longtemps de cela. Je vais te faire passer un test pour voir si tu es vraiment digne d'être mon hôte. Odem. Mes 5 doublures sont cachées dans cette forêt. Chacune d'elles porte un élément de l'histoire du héros. Trouve les 5 éléments et construis une histoire. Si ton histoire me plaît, je te prêterai ma force. Ah! Pardon, je vous empêche d'avancer. Pas de problème, Ray. Je vais t'aider, mademoiselle Ray. Jidan, Bibi, merci. It's okay. It's okay. Oh, ça a l'air joli, donc, par ici. J'ai vu un Ramu derrière, là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais on n'a pas d'armes! Quelle est cette merde? Ah si, on a des armes. Je me demandais. J'ai l'impression qu'on n'avait pas d'armes, mais c'est parce que j'étais pas en mode auto, quel énorme con. Mais quel giga débile. Les historiens modernes pensent que l'embuscade tendue par un traître est une invention des résistants destinée à cacher la vérité. Et que c'est la honte qui les poussa à ne rien dire à la fille de Joseph. Ces héros n'étaient en fin de compte que des hommes. Ce chapitre s'appelle Humain, il t'en reste 4 à trouver. Midjile. Ok. Ah ah!
Arrivé au fond de la grotte, Joseph permit au groupe de résistants de vaincre la Lamantine. Yo, Mamzelle Soso, comment ça va? Et Framboise, du coup, apparemment, qui est aussi là. Joseph permit au groupe de résistants de vaincre la Lamantine et de s'emparer de la cloche de la déesse, qui devait leur permettre de pénétrer dans le palais de l'empereur. Ce chapitre s'appelle Assistance. D'accord. Organix. J'ai vu une doublure de Ramu, je crois. Quand j'ai cherché ce coffre là-bas. On va bien, ça va bien, ça va bien, tranquille. Merci. Un Ramu. Bon, j'ai pas trop le choix apparemment. Ah ah! Au retour, ils furent trahis par Bogen et tombèrent dans une embuscade, mais le sacrifice de Joseph leur permit de s'échapper. Toutefois, quand ils revinrent en ville, ils ne dirent rien à Nelly, la fille de Joseph qui attendait le retour de son père. Ce chapitre s'appelle Silence. Silence! Silence! Oh, bordel à cul. Aïe. C'est vrai que Bibi, là, il commence à galérer niveau... C'est tout aussi efficace. Ok, du coup on était passé par là, ça c'est bon. Du coup il y avait un Ramu là. Il y a les 5 doublures. Il faut en chercher encore 2. Mais non, je renonce pas enfin. D'accord, là c'était la sortie du coup. Ah merde. Il y a un Ramu là-haut, je l'ai vu. Il est par là. Il y a longtemps, 33 petits pays étaient en guerre contre l'Empire. Un groupe de résistants demanda l'aide d'un dénommé Joseph, qui vivait seul avec sa fille. Joseph leur était redevable. Il accepta de les aider et partit pour une caverne dans la plaine glaciaire. Donc ça s'appelle la Genèse, évidemment. Puisque ça a l'air d'être le début de l'histoire. Tiens, on va juste mettre une tente. Ah, la bogpost. Merde, j'ai pas croisé un autre Mog et je lui ai pas parlé. Quel con. Je crois que j'ai oublié un Mog. Merde, le Mog dans le château d'Alexandrie, je lui ai pas parlé de la Mog Post. Quel con. Oh, le débile absolu. Là, je suis en transe. C'est fini pour vous. Tu vas calmer tes ovaires tout de suite. Ok, Jidan level 19, on est pas mal. Alors, où est-ce qu'il pourrait être le dernier Ramu par contre? Parce que là, comme ça, j'ai l'impression de sécher un petit peu quand même, mes amis. Bah, je pense qu'il me manque celui qui est devant là. Je vois que ça. Il y a les 5 doublures, il faut encore en chercher un. Qu'est-ce que je viens de faire? Oh, regardez le château de Lindblom! Hey Jidan, si on descendait par ici. Non, non, non. Attends, moi je veux retrouver les Ramus, moi. Ça va pas du tout cette histoire. Est-ce que je viens vraiment de niquer Ramu? Mais non. Est-ce que je viens de niquer toutes mes chances d'avoir Ramu? Yo Aïs, comment ça va? Mais attendez, je me sens pas bien là, je me sens fébrile. Est-ce que je viens vraiment de gâcher la chance de voir Ramu? Ça va bien, merci. Je suis deg. Mais c'est pas ce que vous croyez. Ramu, revenez! Ramu!
putain, mais non. Bon, bah, rip Ramu, quel con. Mais je suis giga con en fait. Une fois en bas, je ne pourrais plus revenir ici. Mais reste là alors. Mais putain! Mais j'ai... T'aurais dû sauvegarder, je regarde si tu peux le refaire. Oh mais... La prochaine fois que j'ai une idée de con comme ça, surtout, bah arrêtez-moi en fait. Regarde dans les équipements de la princesse en accessoires. Mais j'ai un diadème, mais je suis dégoûté, putain. Tu es retourné là où tu l'as rencontré? Ben j'ai essayé, mais y a rien. J'ai essayé d'y aller, mais Monsieur Ramu? Monsieur Ramu? Ah oui, il est pas là. On va tenter un truc, c'est le truc de la dernière chance. J'ai comme l'impression que ça va pas marcher. Je suis déçu. Je sèche. Au pire, tu refais le trajet avec les cheats, mais j'ai sauvegardé quand? Avant le combat contre Beat. C'est chiant quand même. Bon, vous savez quoi, on va faire ça. Putain, je me déteste, je suis juste trop con en fait. Allez, ce qu'on fait, c'est qu'on fait 5 minutes de pause, on se retrouve juste après, les amis. A tout de suite. Hop, la pause.
Ok, c'est bon, on est reparti. Alors, du coup... rechargeons un coup. Ouais, c'est dans la chapelle. Bon, du coup, vous m'excuserez, on va utiliser les cheats, hein. On va jouer en accéléré, on va jouer avec... le max dégâts, etc. D'ailleurs, c'est bien parce que comme ça, je vais pouvoir te parler, Mokta. Je viens de recevoir une lettre de Kubo. Veux-tu que je te la montre? Ah bah voilà, en plus, vous voyez. Mais c'est quoi ce tumulte en ce moment? Il y a plein de soldats dans les rues. Le bruit court que la princesse Grenin est revenue à Alexandrie, tu le savais. Elle avait fait une fugue parce que Kubo, elle n'avait plus confiance en la reine Branée. En quoi la reine et la princesse pensent-elles? Bah, je comprends rien à ce que pensent les gens du château. Ok. On va dire ça. Du coup, dégâts max. Je vais pas me mettre en invincible, mais je vais mettre le mode combat rapide. Bref, l'amusement à son paroxysme, les amis. Arrêtez! La session du cheat, c'est ça. Pourquoi sa majesté, gna gna gna, les dialogues, et nanana, et gna gna gna, et gna gna gna. C'est bien parce que vous allez voir, bite, on va beaucoup moins galérer. Non, attendez, en vrai, il faut que je fasse invincible et pas dégâts max sur Beat. Parce que comme ça, je vais voler les objets, vous savez. Ils sont là. Blabla, 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 blabla. Bon, Bibi, il meurt toujours autant, hein. Un vrai plaisir. Mais putain, je me suis... j'ai pas invincible dans ce combat, mais quelle merde! Bon, ben, rip. Comment je me suis fait baiser? Putain, je suis dégoûté. Vous êtes bien trop faible. Blablabla. Putain, j'ai perdu des items du coup avec ces conneries. Magie. C'est bien parce que du coup ceux qui ont raté le début du stream ont pu voir à peu près tout ce qu'on avait fait. On se contredit, on va se battre, vous en faites pas. Je suis dégoûté. On va attaquer en auto. C'est pas grave, on va faire de l'XP comme ça. Le mode rapide pour ça, c'est pas une bonne idée. Faisons de l'XP à gogo. Ouais, c'est tout ce qu'il me fallait. Vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite. On va vite rattraper ce qu'on avait raté. Bibi qui tape du 9999, c'est improbable. Je sais même pas si c'est possible. J'ai pas du tout le seum. Bon, vous serez gentil si jamais il y a quelqu'un qui débarque sur le chat et qui ne comprend pas pourquoi on fait ça, vous lui expliquerez. Je compte sur vous. Steiner, non! Reviens, Steiner! Non! Ne pars pas! Ça, quel plaisir, on a perdu une heure de stream. Génial. Vraiment trop bien. Tout ça à cause d'un truc de merde, là. Putain. Quel foutage de gueule. On lui expliquera que tu galérais trop et que le skill est mort ce soir. Oui, non, clairement pas.
Quand même, les combats, j'y arrive. Hein. J'ai pas besoin des cheats pour y arriver au combat. Putain, 787 points d'XP, c'est rentable. Hein. Ah, ce truc qui fait du bruit à l'infini, c'est trop chiant. Allez, bon, on va les finir assez rapidement. Merci Steiner, tu sers à rien. Non. Ah, vous portez une lettre de Mokhtar à Mogliar. Ben voilà, parfait. Vous voyez, j'avais même oublié ça. Vous voyez comme quoi ça n'a pas que des... Ça n'a pas que des désavantages de faire ça. On est piégé. Pupu. Ils se sont fait assommer comme des grosses merdes, comme des grosses merdes. Oh oui, ça c'est bien vrai. Allez, on se barre d'ici, merci. Allez. Oh ça, on n'est pas très loin quand même, heureusement. On va tellement lui défoncer sa race, ce truc. Je crois qu'il est mort. Je crois qu'il est mort, hein. Je veux pas dire de bêtises. Tant pis pour les vols, hein. Ah ! On va pouvoir retirer R1, on va pouvoir retirer dégâts max. Bon, je peux rien retirer pour l'instant. Une sortie! Merde. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette conversation aussi. Allez, on va y arriver. Allez, on a encore 3 heures de stream ensemble, c'est bien, on va pouvoir avancer quand même. Ils ont l'air de pas trop rigoler ceux-là quand même, hein. Ça craint. A plus Amelia, merci de passer, à bientôt. Permettez-moi, gna gna gna, mes couilles sur ton front, ça fait un anon. On connaît la chanson. Je suis méchante. Et nous revoici donc la Pinacle Rock. Trop bien. Bon allez, là il me faut juste le mode R1. Le mode rapide, ça suffira. Ah, faut que je fasse gaffe quand il y a des choix. Je suis ramu. Mais la cinquième doublure, je pensais que c'était celle qui nous disait tu veux partir. J'étais en mode ben non, mais c'est chiant. Ah ah, les histoires modernes pensent que l'embuscade et la traîtrise ne changent rien au fait que la jeune fille ait perdu son père. Sa mort plus que ses paroles fit de lui un héros. Ce chapitre s'appelle Héros, il t'en reste 4 à trouver. D'accord, alors bah du coup on peut en retirer le R1. Ramu, plagiat, tortue, génial. Qu'est-ce que tu me veux? Tiens, j'ai une lettre pour toi. Merci de m'avoir apporté la lettre de Mokhtar. Mogliar, as-tu réussi à sortir de la forêt maudite pétrifiée? Je pense que ce continent se dirige tout droit vers une catastrophe. Quand on saura tout, il sera trop tard. J'ai peur, Kubo. Ça a été vraiment dur de sortir de la forêt. J'ai pu en sortir en suivant des inconnus et je parle comme l'un d'eux. Il portait un marteau. Ok, bon, on a compris. Il y a longtemps que j'avais pas eu de courrier, gna gna gna. Bon allez, on sauvegarde. Mais bon, cette fois-ci c'est bon, j'ai les 4 Ramu normalement. On va pouvoir les lire tranquillement. Ok, donc apparemment lui il a pas de lettre à donner à quelqu'un. Midgilé. Humain.
Organix. Au bon lait de Brebix. S'appelle Silence. Silence! On va chercher le coffre qui est en dessous. Il y en a un par là-bas normalement. Il y a longtemps, 33 pays, il y en a, ça c'est la genèse, ok. Donc là, logiquement. Tu as enfin trouvé les 5 éléments, à présent fais-en une histoire. 4 de ces éléments sont vrais. Il y en a un qui est faux, pourras-tu choisir lequel? Tu es prête? On y va. Alors, quel est le début de l'histoire? Ben, genèse. Nanana. Attends, il y en a deux qui se ressemblent là. Il y a héros. Sa mort, plus que ses paroles, fit de lui un héros. Les historiens modernes pensent que l'embuscade tendue par un traître est une invention des résistants destinée à cacher la vérité et que c'est la honte qui les poussa à ne rien dire à la fille de Joseph. Ces héros n'étaient en fin de compte que des hommes. Je livre ton histoire. Il y a longtemps, 33 pays, dans une caverne de la plaine glaciaire. Arrivé au fond de la grotte, Joseph permit au groupe de résistants de vaincre Lamantine et de s'emparer de la cloche de la déesse qui devait leur permettre de pénétrer leur honneur. Au retour, ils furent trahis par Bogaine et tombèrent dans une embuscade. Je pense que l'embuscade tendue par un traître est une invention de résistants destinée à cacher la vérité et que c'est la honte qui les poussa à ne rien dire à la fille de Joseph. Ces héros n'étaient en fin de compte que des hommes. J'aimerais te poser une question. Pourquoi as-tu choisi humain pour finir l'histoire du héros? Parce qu'ils étaient proches du peuple, on lui consacra un chapitre de la chronique. Parce qu'on le vit verser des larmes comme tout le monde, il devint un héros inoubliable et continua à vivre dans les mémoires collectives. C'est une réponse exemplaire, mais je voudrais connaître ton avis. Mon avis? Bien que je sois loin de mon pays, je n'oublie jamais mon entourage et le peuple d'Alexandrie. Ton âme est bien tendue. Oh oui. Si la magie chimérique peut te détendre, je t'offre mon âme. Je vous remercie. N'oublie pas qu'il y a toujours plusieurs choix et que c'est à toi de décider. Perido, oh oh, la magie chimérique devrait m'aider à... Allez, on part pour Lindblom. Hé, Pépé, hein, il est déjà parti? Qu'est-ce que t'as? J'aurais voulu savoir pourquoi toutes ces questions. C'est la postérité qui fait de nous des hommes ou des héros. Comment dire, à quoi ça sert de critiquer des décisions des siècles plus tard? Je crois que même si Mlle Rey avait fait l'autre choix, ce vieillard l'aurait aidé. J'en suis pas sûr, mais c'est ce que j'ai pensé. Jidan, Bibi, venez! Exactement. Même si la prostituée. Même si la postérité juge mal ta décision, il te faut toujours avoir l'esprit ouvert. On dirait une marque de saucisson. Elle n'en a peut-être pas pris conscience, mais elle a récupéré ses facultés d'invoqueur en recherchant mes doubles. Parce qu'elle voulait vraiment utiliser la magie chimérique. C'est l'utilisation qui en est faite qui rend la magie chimérique bénéfique ou maléfique. Elle est un peu têtue, mais elle a un bon fond. Protégez-la jusqu'au bout. Vous êtes important pour elle, je vous la confie. Oui, compte sur nous. Putain, comment on se serait fait baiser si on avait continué à jouer sans ça? Oh, regardez, le château de Lindblom. Comment on se serait fait baiser? Et Jidan, si on descendait par ici? Allez. On n'aurait pas pu utiliser les pouvoirs d'invoqueur si on avait fait ça. Jidan. Je voudrais utiliser la magie chimérique pour le bien de tous. Je suis sûr que tu y arriveras. Jidan. Regarde. Oui. La rose rouge. Oh bordel à cul.
bordel de merde. Ah, cette lumière, des vasques de téléportation, ils envoient des mages noirs dans le château. C'est comme à Clara. Elle fait d'abord attaquer les mages et ensuite elle anéantit les restes à l'aide de la magie chimérique. Mais non, pourquoi, mère? Mère! Ray! Reste ici! Quelle est cette putain d'horreur? Oh bordel, c'est trop calme. C'est affreux, mère, comment a-t-elle pu attaquer Lynn Bloom? Ouais, j'ai l'impression que c'est une chimère, mais what the fuck. Faites attention, ils sont peut-être pas tous partis. Hé Bibi, cache-toi par ici. Non, je veux pas, j'ai peur tout seul. Écoute, il y a des soldats d'Alexandrie, ils te reconnaîtront tout de suite, t'es un mage noir. D'accord. N'aie pas peur, on reviendra te chercher dans 5 minutes. Reste ici, Bibi. Oui, j'ai compris, mais revenez vite. Ça sent la merde, cette histoire. Tue-le! Je lui écrase la tête ou la bedaine, laquelle tu préfères? Hé, arrête! Il est encore en vie! Il est encore en vie, de quoi tu parles? Les mages noirs ont leur vie tout comme nous. Même s'ils ne t'apparaissent pas comme des. Même s'ils t'apparaissent que comme des soldats de Branette. Ne dis pas n'importe quoi, ils sont comme nous. Mais ce n'est qu'une apparence. Ils ont tué des gens comme on casse des poupées. Pour eux, on ne vaut pas plus qu'un bâtiment. Ils sentent pas que nous sommes vivants. Ils se fichent des alliés tués, ils ne font que nous attaquer. Je vois qu'ils sont pires que les monstres par rapport à eux, les monstres sont plutôt mignons. Bonne ambiance. Vous nous résisteriez? Jusqu'au bout. Vous croyez que réagir sans réfléchir prouve votre courage? Maintenant que la reine Branette contrôle une armée de mages noirs et la force des chimères, elle est invincible. Résister vous mènera à la mort. Rien à foutre. Essaye pour voir. Tous les taxers ont été détruits par les mages noirs. Pour moi, rien n'est plus malheureux que ça, malheureusement. Pourtant, les clients n'avaient rien fait de mal. Triste vie. Bon, ben, on va pouvoir continuer par là-bas, je pense. Ah, il y avait un chemin par lequel je pouvais pas passer, effectivement, ça doit être par là. C'est juste la merde. Le quartier ouvrier a été complètement détruit. Les quartiers commerciaux et théâtraux. Les quartiers commerciaux et théâtraux ont été complètement dévastés. Voulez-vous envoyer des soldats à la reconstitution de chaque quartier? Les habitants doivent pouvoir retrouver leurs habitudes rapidement. Entendu. Seigneur Olmeta! Princesse Grenat, Monsieur Jidan, je suis heureux que vous n'ayez rien. Oncle Sid, est-ce qu'il va bien? Ne vous inquiétez pas, le château de Lindblom a échappé à l'assaut. Sa Majesté n'a pas été blessée. Je suis soulagé. Veuillez me suivre, Sa Majesté vous attend. D'accord. Is ok. La princesse Grenat est de retour. Oncle Sid! Oh Grenat, tu vas bien? J'étais inquiet à l'idée que de Branette ne t'ait attrapé. Jidan et mes amis m'ont sauvé. Je te remercie, Jidan. Mes Freya, Steiner et Beat ont dû rester au château pour que nous puissions nous échapper. Oh, Beat, avec cette fameuse guerrière, je suis sûr qu'ils vont tous s'en sortir, Pulu. T'inquiète pas pour eux, Ray. Je pense que ton oncle a raison. Au début, je pensais juste quitter le château, mais on s'est retrouvé à Pinacle Rock. Ils seront les derniers à mourir. Pinacle. Oh, par la route de la Gorgone. Oui, t'es au courant de tout.
Malgré mon apparence en tant que roi de Lindblum, il me faut connaître parfaitement les environs. Cependant, ce ne sont pas les informations qui comptent, mais qui en profite. Grâce à une recherche préalable, je savais déjà que la reine Branette cherchait à obtenir la force des chimères, mais... Je dois dire que je ne pensais pas la force des chimères aussi dévastatrice. En fin de compte, sur ce point, j'étais trop optimiste. Je crois que tu as eu raison de capituler devant Branette. Clara a bien résisté, mais elle a été détruite. Que dois-je dire? Que dois-je faire à présent? Et oh! Il y en a un qui bouge encore! Faites attention, il va peut-être attaquer avec sa magie! C'est bizarre. Il est plus petit que les autres. Ah, mais me faites pas mal, laissez-moi, je suis pas... Ne crie pas, tu es un mage noir, ça se voit facilement. Mais c'est pas vrai! Aïe! Nous avons arrêté un mage noir en ville. Mais non, je... Quels sont vos ordres? Voulez-vous l'extrader vers Alexandrie? Oncle Cid, retirez-vous, Monsieur Bibi n'est pas un mage noir. Il s'habille en mage noir pour tromper l'ennemi. Il est de notre côté. Ah, excusez-nous, veuillez pardonner notre faute. Ouais, je préfère ça. Les informations que j'ai recueillies sur Branette ne concernent pas uniquement les chimères. En plus, on sait qu'il y a un marchand d'armes appelé Kuja qui tire les ficelles de cette série de guerres. Kuja procure à Branette du matériel magique de très haut niveau. Ah, mère ? Oui, c'est aussi Kuja qui leur a procuré les mages noirs. Si l'on en croit un témoin, ayant vu Kuja au traîneau, il arrive toujours du nord sur le dos d'un dragon d'argent. Donc c'est bien lui qu'on a vu à Blumessia. Vu qu'il vient du nord, sa base doit se trouver sur le continent extérieur. Le continent extérieur ? Il reste encore quelques continents inexplorés. Le continent extérieur est au nord du continent de la brume. Je ne sais pas si Kuja vient d'une tribu de sorciers du continent extérieur, mais il paraît qu'il est le seul à fournir des armes à Branette. Celui que j'ai vu dans le château d'Alexandrie s'appelait Kuja. Il me semble qu'il dupe mère. Donc si on détruit Kuja, tout finira bien. C'est Kuja qui est responsable de toutes ces affaires louches. Voilà, vous êtes au point Pulu. Sans Kuja, il n'y aura plus personne pour fournir des armes, alors l'armée de Branette s'affaiblira. Si nous défions l'armée de Branette, nous n'avons aucune chance de la vaincre. Il faut qu'on détruise la source de tous ces maux. Exactement. Même si nous battons Branette, Kuja trouvera d'autres clients. Ce que Mère a commis est impardonnable. Mais plus qu'elle encore, c'est envers Kuja que notre haine doit se tourner. Mais pour l'instant, il faut sauver Steiner et nos amis au plus vite. Comme vous le remarquez pour le moment, tous ces soldats s'occupent de Lindblum. Je ne peux en mobiliser aucun pour vous. T'inquiète pas, Ray, je t'assure qu'ils pourront s'en sortir. Tu sais, c'est une équipe invincible avec la meilleure chevalier dragon de Blumessia, une générale d'Alexandrie et Steiner. Et puis, t'es plus toute seule, Ray, je te protège. Effectivement. Je vais chercher Kuja. Je voudrais partir avec toi, parce que je peux plus rester sur ce continent. Bon, c'est décidé, on va lui apprendre les bonnes manières. Cid, tu peux nous prêter un aéronef rapide? Mais tu sais que la brume n'existe que sur ce continent. Vous ne pourrez pas aller jusqu'au repère de Kuja avec un aéronef à moteur brumique, Pulu. Ouais, bon, Steiner, je doute qu'il soit utile. Alors, ton nouvel aéronef sans brume n'est pas encore fini? Non, en ce moment, c'est Branette qui l'a, Pulu. Elle a accepté la reddition de Lindblum à condition que, primo, Alexandrie confisque le nouvel aéronef, et secondo, Lindblum confie la griffe du dragon à Alexandrie. Je comprends que Branette ait voulu ton aéronef, mais pourquoi cette pierre? Je n'y comprends rien, moi. On n'a pas le temps, on va partir en bateau. C'est impossible. Comme le port est sous contrôle de l'armée d'Alexandrie, les bateaux ne peuvent pas en sortir. Bon sang! On n'a pas de bol, tu veux qu'on nage jusqu'à son repère? Mais vous avez un autre moyen, Pulu. Il y a une ancienne mine dans le marais au nord du château. Et dans les environs de cette mine, des fois, on voit des monstres qui ne devraient pas exister. Il y a quelques années, un tunnel sous-marin a été découvert par des mineurs. Le bruit court que l'on pourrait se rendre sur l'autre continent par ce tunnel. Un tunnel irait au continent extérieur? C'est dur à croire, ce genre d'histoire. Il y a vraiment un tunnel pareil? Je n'ai aucune preuve. On ne peut rien dire tant qu'il ne sera pas allé. On ne sait pas ce qui arrivera, ça va être amusant. Je vous confie la princesse Grena. Nous nous chargerons des préparatifs de la contre-attaque. Ce n'est peut-être pas suffisant, mais cela vous sera utile. 3000 guilds, oh merci. Je t'attends. Je te demande de faire le nécessaire, Jidan. Oui, tu as raison. Maintenant, Lindblum est un territoire du royaume d'Alexandrie, compris? Je ne peux pas y retourner avant un bon moment. Prépare-toi bien, quand tu seras prêt, viens me voir.
Mis de bâton, j'ai encore des trucs à prendre avec. Nuit blanche, je dois encore la prendre. Ça, il m'apprend rien celui-là. Autopotion, non. Péridot. Ah, et c'est pour avoir Ramu du coup. Et là, du coup, celui que j'ai actuellement, il m'apprend compétence plus. Bon, on va finir d'avoir compétence plus, ensuite on apprendra Ramu. Ah, mais j'ai déjà un Organix. C'est bien ce qui me semblait. Aboulguil, ça c'est bon. Tonifiant, Automo Killer, j'ai déjà. Devil Killer, ça c'est pas mal par contre. Comme ça, les ennemis démoniaques, on pourra les éliminer. Prudence. Ça me semble bon. Tu es prêt 2 minutes. Y a pas un mog dans les environs. Bonjour. Explodor. Une dague magique et une mid dague. Bon, on va partir avec ça pour le moment. Donc tu aurais pu utiliser la magie chimérique, sauf que tu aurais pas eu Ramu, c'est ça. Allez, viens par ici, sa majesté t'attend au sous-sol. Active time event. Escale de la flotte de Branet. Ils ont pris toutes nos réserves comme prise de guerre. Ils vont vraiment tout ramener à Alexandrie? Ou alors, ils vont faire un grand voyage? Vous, là-bas, taisez-vous. Chargez tout sur le cargo. Bon sang, pour qui ils se prennent? Essayons de gagner du temps. C'est pas demain qu'on les arrêtera. Maintenant, Alexandrie contrôle tout le continent. Pourquoi ils préparent un voyage pareil? Ils n'ont plus d'adversaire, non? Mais qu'est-ce qu'ils veulent à la fin? J'en sais rien, cette rapace de Branet ne s'arrêtera jamais. Quel pays va-t-elle attaquer cette fois-ci? Je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait un pays menaçant dans notre royaume là-bas. Je crois qu'il s'agit d'une affaire très importante. Nous autres, ce n'est pas la peine de nous inquiéter. Bon, allez, viens par là. Des soldats de Lindblom se sont retranchés dans la chambre. On va aller les débusquer. Venez! On peut pas aller aider les soldats de Lindblom? Qu'est-ce que Branet fabrique? Jidan, il faut vraiment qu'on aille sur le continent extérieur. Qu'est-ce que t'as maintenant? T'as changé d'avis? J'ai peur. C'est un continent que nous n'avons jamais vu. Je ne pourrais pas t'aider toute seule, je n'ai pas confiance en moi. Tu t'inquiètes pour moi? Non, je veux dire. N'est-ce pas ennuyeux qu'une princesse perde son meilleur garde du corps? Ce serait vraiment ennuyeux. Qu'est-ce que je dois dire? C'est trop d'honneur que vous me faites, princesse. Oh, pardon. Ça va, j'échouerai pas. Et toi, Ray, ça va? Personne ne sait ce qu'on rencontrera là-bas. Je suis décidé. J'aimerais que mère ne commette plus de crimes. J'ai compris, reste toujours avec moi. Je vous protégerai, toi et Bibi. D'accord. Ah, au moins, il y a Bibi avec nous aussi, c'est bien. Popolo, polo. Ah, Jidan, on t'attendait! Tu n'étais pas avec mon oncle Bibi? Il est parti quelque part en me disant « Attends un instant, Pulu !» Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai réussi! J'ai bloqué le wagonnet qui va à la porte du dragon aquatique à ici. C'est rageant, je ne les laisserai pas faire ce qu'ils veulent dans mon château. Allez, c'est le moment de partir. Mais attention, on peut se perdre facilement dans cette mine. Et puis, voilà, prenez ça. C'est quoi ce chiffon? Tu n'apprendras donc jamais la politesse, ce n'est pas un simple chiffon. C'est notre trésor national. Ce n'est pas un chiffon, mais une vieille carte du monde. Une vieille carte du monde?
Elle va beaucoup nous servir. Une map monde. Oh, merci. Allez vite, ils viennent par ici. Jidan, Bibi, je vous confie la princesse. Oui. Mon oncle. Ne t'occupe pas de moi, je suis plus solide qu'on ne le croit. Vous ne pouvez pas rester ici plus longtemps. Allez-y. S'ils me trouvent, ils vont faire de l'huile de peluche. On y va, Ray. Bibi. Je m'énerve. Quand le roi est un peluche, il n'est pas étonnant que ces hommes soient aussi idiots. Pourquoi ce petit travail leur prend-il autant de temps? Et vous deux, ne vous reposez pas. Quand on voit la qualité des soldats, on comprend mieux la situation. Il n'y a pas de temps à perdre, il faut que nous soyons prêts pour la prochaine opération. Cette machine est tombée en panne d'un seul coup. On n'a plus de wagonnet. Hein? Ça fait pulu-pulu et puis plus rien. J'aurais voulu faire des courses avant le départ du vaisseau. Le gars a signalé quelque chose? Non, nous sommes sans nouvelles. C'est le roi Sid qui en est responsable, je suis sûr qu'il se cache quelque part. Par là, suivez-moi! Cherchez le roi Sid! À vos ordres! YOLO! Bon, bah, on est reparti pour de nouvelles aventures. Ok, le puits, gna gna gna. Ok, bon, apparemment, lui, il a pas de lettre pour moi, c'est bon. Allez, on sauvegarde. Bon, au final, je pense que je vais streamer jusqu'à 18h, les amis, aujourd'hui. Et demain, ça fera une grosse journée. Hop là. Moctesquieu, c'est quoi ces noms de Mog? Mais oui, Montesquieu, Moctesquieu, la base. Pour aller à la mine, allez tout droit vers le nord jusqu'au marais en forme de gourde. La mine est juste à côté. Mais faites attention, on tombe très souvent, d'accord, ouais, bon. Notung, partisan. Multimassu, j'en ai. Galaxias. Je viens d'en acheter 11, mais quel énorme connard. Je suis vraiment un débile, bordel. Donc c'est bon, il a pris foudre plus. Augmente la puissance des attaques élémentaires sacrées et ténèbres. Quand on aime un équipement, on compte pas. Bon, on va prendre nuit blanche. T'en veux un ou deux? Je vais en prendre 11 au cas où, c'est ça. Ah, attends, c'est quoi le truc? Autopotion? Bah, ça c'est de la merde. Et nuit blanche, je la prends déjà. Bien. C'est reparti. Alors, il faut aller au plein nord. Direction le nord. Il faut dépasser les marais qui ont une forme de gourde. Mais oui, vous allez mourir. Je vous ai fait le cul un milliard de fois, c'est bon. On connaît la chanson, les gars. En plus, vous voyez 0 en XP, c'est incroyable. Alors là, il y a la forêt. La compétence qui te crame tes 99 potions à vitesse grand V. C'est ça.
C'est un peu le risque. Je suis en transe. Bon, vas-y, Jidan, dégomme-les tous là parce que là ça va plus du tout. Je suis déjà passé par vers la caverne qui mène à Blumessia, mais c'est pas là-bas, on est d'accord. Ouais, vas-y, finis-le. C'est bien, ça fait une XP un petit peu. C'est le marais Koué. Ah, mais j'ai l'impression que je suis sur la bonne voie, pas du tout. Oh non. Alors attendez, on va mettre pas de combat aléatoire pendant un temps là, le temps qu'on trouve cette putain de grotte. Parce que là, il y a le truc qui ressemble à une gourde, ça c'est ok. Ça, c'est la caverne de Gizmar, faut pas qu'on aille à la caverne de Gizmar. Non? Me trompe-je? Forêt des chocobos, porte sud. Bah apparemment si, je dois repasser par la caverne de Gizmar. Parce que là-bas c'est la porte sud. On va essayer de retourner au marais de Koué pour voir si on peut pas retrouver Pouik. Pouik, ça va? Jidan, ça faisait longtemps. J'ai eu du mal à rentrer toute seule de Clara. Tu connais la route du continent extérieur? Il paraît qu'elle passe pas loin d'ici. La route du continent extérieur? Il y a peut-être de bonnes grenouilles là-bas, Miam. Ça a l'air bien. Tu veux bien je veux bien t'aider pour des grenouilles, Miam. Je viens avec toi. D'accord. Mais c'est Omari qui t'ont dit d'aller. Ah. Pouik, où tu vas? Ça sent la grenouille. C'est pas le moment, on cherche à entrer de la route du continent extérieur. Pouik, arrête, c'est pas vrai. Ah bah voilà, on l'a trouvé. Il y a des grenouilles. Attends-moi. Bah voilà, on a trouvé la route. Ah, elle m'a échappé. Pouik, on n'est pas venu là pour des grenouilles. Regarde, ce serait pas l'entrée de la mine qu'on cherche? Ah si. J'avais jamais vu, Miam. Tu veux vraiment rentrer là-dedans? Bien sûr. On pourra peut-être aller au continent extérieur comme ça. En avant! It's ok. Tu. La caméra. Route des fossiles. Oh putain, il y a des trophées à pas rater ici, bordel. Oh quel enfer. Non, il va falloir que je sauvegarde le plus vite possible. Hein? C'est trop sombre, on voit rien. Qu'est-ce que c'est? C'est même pas drôle! C'est Dark Souls! Ah.
Oh, il est tombé dans le trou. Quel dommage. Aïe. Excuse-moi, Bibi, ça va? Attention. Pousse-toi. Aïe. Bah, décidément. On a eu chaud. Il m'aura nettement moins servi que prévu. Qui va là? Oh oh. Je vais vous chercher, princesse Grena. Qui tais-toi? Ne la provoque pas, d'accord. Je m'appelle Lamy, la reine Branette m'envoie chercher la princesse Grena. Mère, vous... Mère veut me voir? Je ne compte pas rentrer pour l'instant. En fait, ce n'est pas vraiment vous que la reine veut voir. Comment ça? Elle veut quelque chose que vous auriez emporté. Pourriez-vous me le donner? Cela appartient à la reine. C'est non. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Vous ne vous en tirerez pas toujours aussi facilement, soyez raisonnable, c'est un conseil que je vous donne. Allons, donnez-le-moi bien gentiment. C'est toi qui avais posé le piège de tout à l'heure. En effet, il serait préférable pour ma santé que la... pour sa santé que la princesse me donne ce que je demande. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez très bien compris. On ne m'a pas demandé de ramener la princesse saine et sauve. Mère n'aurait pas ordonné de... Assez discuté! Donnez-le-moi, vous voulez crever ici? Et si elle veut pas? Imbécile, vous n'avez pas une chance! Décidément. Ta hache est beaucoup trop grosse, Michel, hein. Tu feras attention. Ah merde, du coup j'ai pas équipé Ramu, quel con. Pumpkinhead! C'est de la merde. Bibi le MVP, hein, j'annonce. Vol raté. Putain, Jidan, fais un effort! Ah, je suis en train de choper des objets, ça c'est bien. Mais sale pute! Putain, mais laisse mon mage blanc tranquille, enfin. Quel enfer, putain. Mais laisse Ray tranquille, putain de ta mère, la sale. Alors on se fait péter le fion un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu fais? Je vais pas tarder à rager, je sens. Ça va être un enfer.
Sensible à tonnerre. Oh merde. Giga pute, giga pute. Et encore sur la mage. Allez, salope. Putain. Je vais tellement te violer. Voilà, en plus je finis le combat. Salope. Connasse. J'y arriverai pas toute seule. Nous nous reverrons. Ouais non, jamais, salope va. Casse-toi. Giga pute. Bon, du coup, retourne un petit peu en arrière pour voir ce que j'ai pu rater. C'est Alexandra. Ah, vous m'avez déjà fait chier, c'est bon. Génial, en plus ils ont endormi Bibi. Vraiment super. On va passer un excellent moment tous ensemble. J'ai failli t'insulter tellement fort. Putain, mais ils m'ont rendu muet aussi ces PD là. Mais finis-le ce sac à foutre, putain. Merci. Ah. Oublie pas d'équiper Ramu. Je voulais pas l'équiper maintenant, Ramu. Ça te brancherait un jour de faire un poker race, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est, Priam? On sort tous une version émulée de Pokémon, on stream et tout est randomisé et on fait la course le plus loin au bout des X temps gagne. Ah, ça peut être marrant, ouais. Ça peut être marrant, pourquoi pas.
Ça peut être Lolilol, pourquoi pas, why not. Ok, bon, on continue encore un petit peu. Ah, c'est une gorgone. Le retour de la gorgone. Une gorgone sauvage, elle nous sera utile. If you say so. On a accès au squad stream, nous plaît bien. Je crois pas, ça me dit rien. Malheureusement, tel que nous sommes, non, je crois pas. Pourquoi je garde cette fleur avec moi là? Non, la connerie! Je fais de la merde, mais je le fais bien. Faudrait que je me renseigne sur exactement ce que je dois récupérer dans cette caverne. Attendez deux secondes. Juste, je veux voir les trophées. Oh putain. Je suis en train de faire de la merde, comme d'habitude. Et ça, c'est vraiment bien. Alors, guide. Dans le CD2, de traîneau jusqu'à Ifa, Saint-Isof, ça c'est bon. L'anneau, lors du passage par la route des fossiles uniquement, ce trophée réclame de trouver une bague de Madaïn en creusant dans la route des fossiles. Vous trouvez un mog en creusant dans la route des fossiles. Ok, faut creuser dans la route des fossiles et j'ai deux trucs à récupérer du coup en faisant ça. Ok. C'est bon à savoir. Uniquement les partenaires Twitch peuvent le faire, je crois. Ouais, affilié on l'a pas, je crois pas. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on l'aura pas. Bien. Oh, il y a Michel là. Ça a été terrible à Clara. J'ai pas pu bouger pendant plusieurs jours. Je me demande si j'ai bien fait de repartir. Tiens, je t'achète tes merdes. Comme ça, je vais pouvoir continuer mon voyage. De rien. Mock. Oh, la mock boutique. Non, c'est de la merde. J'ai une lettre de Kubo. Elle ne connaît pas très bien Kubo, mais bon. On va la lire ensemble. Lettre de Kubo à Mog. Ah, je n'ai rien à faire. Je n'ai rien d'autre à faire que de me cacher. C'est une des cavernes que je me suis cachée. Pourras-tu me retrouver? Je te donne un indice dans les murs. Il est sûrement le roi des fainéants. Il ne se rend pas compte à quel point il a été difficile de sortir de Lindblom. Ok. Bon, sauvegardons. Je vais sauvegarder cette partie et je vais créer une deuxième sauvegarde aussi pour si jamais je devais rater le trophée d'une manière ou d'une autre. Tiens, je te remets deux secondes, je vais sauvegarder de nouveau. Hop. Voilà, si jamais je devais rater le trophée. Ça, c'est encore un truc pour avancer avec la gorgone. Bonjour. Bracomineur, qui t'es toi? T'es venu pour les trésors? Les trésors? Quel trésor? T'es pas au courant? Il paraît que c'est bourré de pierres précieuses par ici. T'es pas venu pour ça? Pas du tout, il paraît qu'on peut aller sur le continent extérieur en passant par là. Le continent extérieur? C'est là-bas que tu vas? Ce tunnel fond comme une toile d'araignée, on peut pas en trouver le bout. D'après ce qu'on m'a dit, faut que t'ailles par là, c'est un sacré boulot. Tu vas être obligé de prendre la gorgone, mais je te préviens, elle est capricieuse. T'as qu'à t'accrocher et l'une d'elles te laisser porter jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Pour la faire aller où tu veux, t'as qu'à te servir des leviers comme celui qui est là-bas. Quel rapport entre les gorgones et les leviers? Les leviers ouvrent des vannes, et les gorgones aiment pas l'eau. Alors si tu veux pas prendre une route, t'as qu'à faire couler l'eau dessus avec le levier. Ça c'est le deuxième, si tu veux partir par là, tu dois changer de position. Ah, comment je fais pour y aller? Eh, réfléchis un peu. Par là, tu dois pouvoir choper une gorgone. Le premier levier est par ici. J'ai compris, merci pour tout. Allez, merci, à plus.
Donc du coup, il va falloir pouvoir miner un peu à droite à gauche. On va bien voir. Youhou! La Gorgone! Oh, ça va devenir un calvaire, je sens, cette histoire. Niveau potion, ça commence à être la dèche. Non, ça va. Honnêtement, je pense que ça va. Ça pourrait être pire. Vu qu'on tient encore pas mal les combats, ça devrait se faire. D'accord, on va modifier le tracé. It's ok. La Gorgone. Voilà, clairement, voilà. Ok, donc du coup, là, elle m'a posé à un autre endroit, du coup. Nice. Par contre, j'ai rien pour miner, où que ce soit. Pour le moment... Est-ce que c'est plus loin, les trucs où il faut miner ou pas? J'ai vu le coffre, hein. Voyons voir. Avant de modifier le trajet, ce serait peut-être bien de voir le trajet d'origine, non? Histoire de voir où il m'amène. Parce que c'est bien mignon tout ça, mais bon. Merde. Comment je fais pour me casser d'ici? Je peux plus prendre de fleurs, what the fuck. Jidan, t'abuses, t'aurais pu la tuer limite. Oh yeah. Ok, bah on va pouvoir au moins faire un peu d'XP le temps de tourner pour trouver ce qu'on veut. J'aimerais retourner au truc de base pour voir un petit peu où m'amène la Gorgone. Ah mais oui, mais merde. Qu'est-ce que c'est le fun cet endroit, dis donc. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Alors, elle a la nouvelle. Fais l'arme. Ok. Les combats à l'infini qui se déclenchent. Allez, qui va taper ? Elle a lâché un 250 de dégâts. Putain, elle a frappé aussi fort que Jidan, quoi. What the fuck. Niveau équipe, on est 18, 15, 19, 19. On est pas mal. Du coup, on va pouvoir repartir de l'autre côté. Voilà. Oh, Dieu, un griffon. Intéressant. Et en plus sa camarde il veut pas mourir. Alors, on est bien sorti de l'auberge là. Non Bibi. Bibi. Bon au moins ça fait un level up. On a obtenu un péridot par contre. Oh, Jidan, il a passé les 1000 points de vie, ça c'est bien ça.
Bibi, t'avais qu'une chose à faire. Ouais, bon, là, j'y vais assez vite, hein. Par contre, pour le moment, j'ai rien vu à miner, hein. Ça me stresse un petit peu, mais c'est ok. Bon, niquez-le. Attends, ton perso a une queue? Ouais. C'est un humain à queue. Jidan a une queue de singe, c'est ça. Et du coup, maintenant, on refait tout ce qu'on a déjà fait, mais on le refait de nouveau, parce que c'est marrant. N'est-ce pas? Comme le piano, quoi. C'est ça, exactement. T'as tout compris. Mais alors, c'est une impasse, mais de l'autre côté, tu peux aller plus loin. Si tu veux aller au sud-ouest, t'as qu'à vérifier le numéro écrit sur le levier. Ah merde. Et merde. Je vais y arriver, hein. Putain, Jidan! Arrête de faire ton frotteur, c'est chiant. Salut toi. Oh, t'as pas traîné pour venir ici. Tu veux m'acheter quelque chose? Ouais, j'en ai 18 des mitrilés, donc ça va aller 2 minutes. Ça devrait aller. Reviens quand tu veux. Hey, hey. Ok, ça c'est clairement une arnaque. Alors, là il y a un tuyau. Là, ok, on note qu'il y a une blague ici. Et je peux aller par là aussi. Mais ça, non, ça va être pour revenir là de là d'où je viens, ça. Bon, pour le moment, on n'a pas trop le choix. D'où tu me fais une attaque de groupe comme ça, toi? Non, mais t'es fou. Non, Bibi! Bibi! Ah, mais Jidan est passé level 20, j'avais même pas fait gaffe. Ok, dans les équipements pour Ray. On va essayer de passer par le chemin de base. Et on verra en fonction de là où il va m'amener. Ok, il prend à droite. Y a pas un truc là? Yo boy Tiger, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Vous êtes dégueulasse, allez, crevez. Ça va, ça va. Allez, crevez et entrez dans la danse. Ah si, un chemin, quand même. Je me disais bien. La pute ! Pardon.
Il me crache à la gueule, l'autre. Non mais, oh, ça va pas, là. On s'est vu où, là? Ah, il herchait et une maille oreillette. Attention, si tu touches ce levier et que tu sors, tu pourras pas revenir. Ah, ça, c'est le levier de la sortie. Ok, d'accord. Alors, on va éviter peut-être de le titiller tout de suite. Ah, mais merde! Arrêtez de me cracher à la gueule. Là, il y a un autre chemin, là. Ah, ça, c'est l'endroit où il mine, ça. Trop bien. J'annonce. C'est là qu'il y a les trophées. Gilet Cabo. Merde, c'est pas ce que je voulais miner. Après, ce qui est bien dans ce FF, c'est que les avocs ne prennent pas trop de MP, effectivement. Ça peut être rentable, ça peut être bien. Ah, il y a un coffre au plus haut encore. T'as réussi à venir jusqu'ici sans problème? Ici, c'est mon secteur et j'aime pas qu'on y vienne. Mais je veux bien te laisser creuser un peu en échange d'une potion. Hop là. Bon, bah, let's go, hein, on va creuser un coup. Us. Putain, à tous les coups, ça va être au millimètre, quoi. Là, il y a un truc, là, c'est sûr. Derrière, il y a un chemin. J'en suis sûr et certain. Il y a quelque chose. Ça arrive. Kubo. Jihan qui passe son initiation pour devenir un PNJ. Kubo. Salut. Ah bah voilà, déjà un trophée sur deux. Ça, je vais te racheter des potions, Michel. Merci Jean-Marcelin. Écoute, et Kubo, j'aurais une chose à te demander. Peux-tu porter ma lettre à Kubo? Ok. Merci beaucoup, Kubo. Ok. Bon, on va pas sauvegarder. Mais du coup, il me manque un anneau de je sais pas quoi, là. Il doit être ici. Attendez, j'aimerais juste voir le trophée en question. Putain. C'est juste pour éviter de louper un trophée con, quoi. Archéologue gelé, donc c'est l'anneau. Au sein de lors de votre seule et unique visite sur la route des fossiles, il est possible d'effectuer une fouille pour dégoter quelques objets. Parmi ces objets, vous pouvez trouver une bague Madaïne. Le troisième mineur vous loue sa pioche contre une potion. Il suffit ensuite de creuser aléatoirement jusqu'à obtenir la bague. Il est également possible de trouver un Kubo caché dans les rochers à droite de l'écran en creusant au même endroit plusieurs fois, permettant de débloquer le trophée archéologue. D'accord, donc là, il suffit juste que ce soit aléatoire et au bout d'un moment, je vais finir par trouver l'anneau. Mon précieux! Mon précieux! Non, ça c'est une gemme. D'un coup, j'ai vraiment espéré, puis je me suis rendu compte que non. Je n'aurais aucun espoir ne m'était permis. Creusons au hasard, on va finir par le trouver. Us. On va finir par l'avoir. Encore une gemme, bordel.
Voilà. Ça, c'est bon, c'est fait. Maintenant, on peut avancer. T'arrêtes déjà? C'est juste des trucs brillants. C'est du random, quoi. C'est comme les cartes malus. C'est ça, c'est comme les cartes malus. Donc, c'est bon, on a chopé les deux trophées. Ça, c'est une bonne chose de faite. Bon, bah, on va activer la sortie, hein, Osef. Non, pas l'eau, pas l'eau, j'aime pas l'eau. Hop là. On va tellement vous baiser. On va juste vous baiser en fait, c'est ça que vous avez pas compris les gars. Mais vous êtes dégueulasse, allez mourir. Voilà, merci. On va juste voir où mènent ces chemins là quand même. Bibi qui se fait full focus, c'est ça. Et direction la sortie. Et here we go les amis. Phew. Bon, déjà on a eu les trophées. Cette lumière, la brume a disparu. Nous voici sur un autre continent. Le continent extérieur. Le continent, oui, extérieur. Il a fumé. Non, je vous assure, rien de tout cela. C'est le continent extérieur. Oh oui. Là, il y a un temple à explorer. Ça y est, je suis comme un gosse. Oh, toi tu vas mourir. Toi je sens que tu vas mourir. Vraiment. T'as une tête de victime, tu vas mourir. Ah, lui tout seul il nous donne 228 points d'XP. Not bad. Je crois que Ria a assez joué pour aujourd'hui. Man, oh man. Y'a rien par là. J'ai pas l'impression en tout cas. T'as mis quoi dans ton café? J'ai pas bu de café en plus. Oh le griffon. Non Bibi. Bibi. Il fait mal ce sac à merde. Oh putain, Grenat et Jidan, ils vont se mettre tellement bien niveau XP. Du Red Bull dans son café, comme ça on... Comme ça il voit le bruit, c'est ça. D'accord, donc les griffons comme ça donnent un péridot carrément. Un truc pour manipuler Ramu, yes. On est pas mal. C'est quoi, ça me casse les couilles ce mutisme de mort là. Les péridos qui servent d'ailleurs à augmenter la puissance de ton invoque. Ah. It's okay. Encore un pérido. Oh putain, par contre si Jidan y meurt là, par contre ça va être beaucoup plus compliqué tout à coup. Tu te calmes tout de suite avec tes coups de queue, hein, je te préviens tout de suite. On n'en est pas potes. Hein. Bon, on va retirer le mode rapide quand même parce que là, ça commence à devenir chiant. Bon, du coup, la vraie question, c'est où qu'on va. Déjà, là, il y a un marais, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'aller tremper les pieds dans la boue.
Encore ? Oh, tu sais quoi, tu m'as saoulé. Merci. On n'a rien vu, il s'est rien passé. Encore un marais avec des grenouilles. Ah mais vous êtes encore là vous? Quoi, c'est la première fois que vous venez sur le continent extérieur et vous savez pas où vous allez, où aller? Pour venir ici, vous avez dû passer par une vallée avec une espèce de pont au-dessus, non? Vous devriez aller voir de quoi il s'agit. Non, sans blague, jure. Y a pas de chemin à explorer? Heureux framboise. Jidan, je peux attraper des grenouilles? Oui, d'accord, allez, merci. Allez, allons attraper des grenouilles. Mais... La con de ta mère, attrape la grenouille! La con de toi! ça va, et toi? Hop là, putain! J'aime bien la musique. Oh! Tu as fait des progrès, Pouic! Merci. J'ai attrapé deux grenouilles. Tu t'es rapproché de la voie de la nourriture, je te la donne avec joie. Challenge accepted. Oh là là, Skyflock qui redevient un bro pour le deuxième mois consécutif. Ravi de fêter cette demo, c'est magnifique. De... Merci Skyflock, oh là là. Flashback de FF15. Merci Maître Qued, je vais encore m'entraîner. En plus Skyflock il décide de renouveler son abonnement vraiment au moment le plus épique possible. La chasse aux grenouilles. On pouvait pas faire mieux. On peut mourir tranquille après ça. Ah putain. Je comprends pas trop comment parfois il y en a certaines je peux les attraper et d'autres pas. J'ai bien choisi mon moment. Ah totalement. T'es clairement venu au meilleur moment. Ah non! Grenouille! Reviens là! Pute! Faut que j'attende qu'elle vienne sur la terre ferme. Là, là, toi je peux t'attraper. Toi je t'attrape, voilà. Ah, j'ai une précision comme quoi c'est une femelle. Tu as fait des progrès, Pouic. Oh merci. D'ailleurs, sinon la pêche dans FF15 ça va aller. Tu risques pas d'y laisser ta santé mentale. Mais en fait, quand on fera FF15, normalement ce sera le seul trophée qui va me manquer. Du coup, oh là là, merci pour l'hébergement, du coup, Sky. Du coup, quand on fera FF15, ce sera le seul trophée qui me manquera, ce sera la pêche. Donc on le fera au fur et à mesure, petit à petit, dans l'histoire. Comme ça, au moins, ça devrait être moins chiant que de tout faire d'un coup. Tu t'es rapproché de la joie de la voie de la nourriture, je te donne donc un éther. Oh, merci beaucoup. Non, reviens, grenouille. Genre, là, elle est pas à portée de main, la putain de ta... Ah, ta sœur. Ah! Mangez toutes les grenouilles! He's a boy! Allez, reviens. Petite gourgandine. Non. Moi j'ai fait la pêche dans FF15. Ah non, dans FF15 il n'y a aucun poisson qui mord. Non, et moi aussi, moi les poissons m'aiment pas, très clairement. Hop là. Bon ben je crois que c'est bon, on a attrapé 8 grenouilles du coup. Je sors de stream d'AC Unity, c'est vraiment le pire jeu AC. Ah ouais, à ce point là. J'avoue qu'il était pas fou quand même Unity. Hein. Mais bon, aussi, à partir de Unity quand même, ça a bien diminué. Pouic, t'as fini?
Ça suffit, Miam. Moi, j'ai bien aimé Unity. Faudrait que je me le refasse en vrai maintenant. Avec potentiellement tous les bugs qui étaient retirés. En vrai, l'histoire de Unity, j'avais... Je savais même pas de quoi ça parlait au final quand je l'ai fini. Et celui qu'il y avait eu juste après, là... à Londres. Putain, je sais plus comment il s'appelle, c'est vous dire à quel point. Ouais, Syndicate. Syndicate, je vous jure, j'ai fait le jeu, hein, je l'ai fini l'histoire. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je ne connais pas l'histoire de Syndicate. Je l'ai fini, je ne saurais pas vous raconter ce qui se passe dans Syndicate. C'est incroyable quand même. Ah putain, encore toi. Oula. Après j'ai joué sur PC donc je sais pas trop pour vous. Non mais PC, PS4, ça changera rien de ce côté-là. Honnêtement, ça change rien de ce côté-là. Ah, j'ai réussi à trouver un moyen de monter déjà. La caméra, par contre, on repassera. Fun fact, c'est le jeu avec lequel j'ai commencé à jouer clavier souris. Sur Assassin's Creed. Oh, wow. Yo, San, comment ça va? La Google Cam is back, c'est ça. Condéa. Oh, on est chez les flics. On est chez les Condés. On est enfin arrivé. Mais où est passée la brume? C'est quoi ce truc? Un village? À première vue, on dirait un temple. Ce bâtiment a l'air vraiment bon à manger. Mais enfin, Pouic. Il doit y avoir plein de spécialités. Yes. Vraiment, elle pense qu'à manger. Et toi, Jidan, tu ne penses qu'aux filles? Rotsa! Oui, exactement. Je peux plus penser qu'à toi. Je suis à Charo. Oh, damn. Aucune réponse. Ce clavier sourit en mode jugement. Ça m'avance pas beaucoup. Ouais, non, mais sur Assassin's Creed, c'est chaud. Yao! 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 Ok. Quoi, mais qu'est-ce que c'est que ce... Yao? Yao? Yao! En vrai, c'était bien opti. Bah, tant mieux. Et attends un peu. Yao! Mais c'est quoi, ça? Yao, c'est notre salutation sacrée. Ceux qui ne savent pas dire Yao ne peuvent pas entrer dans Condéa. Attends un peu. Yao! Yao! Yao, entre! C'est pas Dark Souls, clavier souris. Bibi et les époux. What? Bibi, qu'est-ce que tu fais? Pas de manège à 3, hein. Calme-toi. Yao! Ah ouais, j'avoue, c'est le village des Yoshi. Les gens d'ici sont tous étranges. Et toi? Excuse-moi. Où tu vas? Où tu vas te balader dès le matin? Et si tu travaillais un peu? Oh, tout de suite, t'es ennuyeuse à la fin. Quoi? Pardon? T'es payé au RSA? Vraiment, tu en branles pas une de la journée? Chômeur! Au moins, essaye de faire du stream. Tu donneras l'illusion que tu travailles. Tu manques pas d'air, t'as oublié que c'est moi qui te paye. Rentre et travaille tout de suite. Oh, calme-toi un peu. Tu veux que je te cogne un peu? Alors tu travailles ou pas? D'accord, ma chérie. Yes, ça alors. Ah, t'es vraiment mignon, t'es venu faire les courses? Pardon. Fais attention à ne pas perdre ton portefeuille. Bonne journée. Les gens d'ici n'ont pas peur de moi, d'accord? Pourquoi pas? Pouic est la vendeuse. Yao! Yao, Miam. Tu as plein de spécialités à me proposer, Miam? Mais oui, il y a plein, bien sûr, surtout des fruits des montagnes. Pourtant, je suis embêté, des voleurs viennent en piquer très souvent.
Il se fait payer par sa femme, c'est vraiment une fantaisie, c'est ça. Ah, c'est affreux, voler de la nourriture, c'est un crime. Tu as raison. Ah, en fait, tes marchandises me semblent vraiment bonnes, Miam. Je te les vends à prix d'amis. Un potiron bombe pour 1000 guilds, c'est pas cher, pardon. Pourquoi on doit payer pour manger? Hein, manger sans payer, c'est voler. Ah, t'es venu me voler? Non, non, je suis pas une voleuse, enfin, je veux juste des bons plans, moi. Ferme-la, voleuse. Oh. Non, je suis innocente. J'ai rien fait, promis. J'ai vu le mog. Hein. Pouic et Mister. Pouic et les flics. Une nouvelle histoire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? Ils discutent du menu de ce soir? En ce moment, il y a de plus en plus de voleurs d'aliments. Je suis pas une voleuse. Hein? Personne ne t'accuse. Qu'est-ce que tu cherches ici? Rien. Je suis vraiment mal à l'aise ici. Si on surveille bien, on pourrait arrêter les voleurs. Mais on fait le guet ici jour et nuit. Oh! Prochainement, Pouic en garde à vue, c'est ça. Allez, vas-y, on va dormir un coup, on va se reposer. Il n'y a que des petits lits. Ah ouais, c'est vraiment des lits de nains, quoi. Le drama se level up x 30. Viens te reposer quand tu voudras. Non. En ce moment, c'est à ce moment que j'ai découvert que Pouic est une fille. Ah, effectivement. Miroir, miroir, mon beau miroir. J'ai entendu dire que sur le continent sud, il y a de l'eau minérale pouvant te donner plein de force. L'eau est vraiment indispensable pour notre vie, c'est vrai. Mais de l'eau qui donne des forces, il faut pas exagérer. Bah si, en fait. Ça va réapparaître à la caution. Non. Je paye pas pour ces conneries, moi. Quand on parle en buvant du thé, je suis vraiment très heureuse. Ok. Pouic sur la chaise électrique. Vous êtes horrible. Rey et Dénémon. Dénémon ? Quoi laisse ? Ah ben, je viens d'en sortir. Va bien falloir que mon fils Dénémon se marie avec elle un jour. Incapable comme il est, je doute que ton fils puisse avoir une femme. Ah, ça tombe bien, si il épousait cette fille. Pardon ? Excusez-moi, puis-je vous demander une chose ? Elle est pas si moche que ça. Dans les environs, mais elle est si maigre que mon fils ne partira même pas pour la terre sacrée avec. Oui, tu es parfaite. Hein ? Je n'épouserai pas votre fils. Non mais oh. Hein, la terre sacrée ? Qu'est-ce que c'est la terre sacrée ? Vous avez des infos ? Un jour, je voudrais me marier avec Omitsu sur le bateau sanctuaire. Et puis nous partirions ensemble pour la terre sacrée, pour y marquer nos noms. Ah, c'est ça le bateau sanctuaire ? Il y a Bibi qui se fait embrouiller. Bibi, bats-toi ! Fais les cramer ! N'aie pas peur de te battre. Je pèse. Qu'est-ce qui est écrit? Ce serait pas marqué le nombre de personnes? Au nom de Katz, prêtre céleste, du ciel et du soleil, des arbres et de la terre, à ce jour la terre sacrée a accueilli 99 couples. Pas mal. Vous ne pouvez pas passer ici. Ça le mérite d'être clair. Bibi qui se fait bisu comme d'hab. Mognoshin. Et Kubo, j'aurais une chose à te demander. Peux-tu porter ma lettre à Suzuna? Ouais, d'accord. Merci beaucoup. Bon, on va faire une petite sauvegarde. Allez, on sauvegarde. Du coup, la vraie question, c'est peut-on sortir d'ici un jour? Pute. Non, ça se fait pas. Allez, au revoir. Alors, qu'est-ce que tu vends? Mais t'as pas d'aliments, menteuse. T'es en train d'embrouiller Pouic pour rien, toi. Du coup, est-ce qu'on est toujours en team ou est-ce que je suis tout seul dans l'histoire là? Putain, je suis tout seul, ça c'est vraiment chiant par contre. Hein. Retourne à Condéa. Hein. 1000 guilds pour un potiron quand même, c'est ça. Là, il y avait Pouic.
Dès que je suis affilié, je mets des délicieux en son de somme. Yao! Arme porte-médecine. Porte? Quoi? Achetez donc des armes pour escalader les montagnes ou traverser les vallées. Oh! Amérif. 5000 balles, c'est pas rien. Canen. Mitrette. Mitrilé, magiclé. Une tiare. Résistance au vent. Manteau noir. Augmente les attaques élémentaires de glace. Intéressant. Même à Cocorico, ils sont moins chers. Tu ne peux pas passer ici. Ah, oh, merde. Bon, on va aller voir Bibi qui a l'air d'être un PLS là-bas. Qu'est-ce que tu as, Bibi? Ah, Jidan, ils disent que le poulet rôti de l'autre jour était vraiment très très bon. Comment vous faites pour préparer un poulet rôti aussi bon? Vous utilisez la magie? Et puis les fruits secs que vous m'avez échangés étaient aussi très bons. Mais ça fait 2 minutes qu'on est là, qu'est-ce que vous parlez d'un poulet rôti? Pourquoi ils nous ont envoyé un gamin comme toi aujourd'hui? Eh Bibi, tu connais ces mecs? Non, je les connais pas du tout, je suis même jamais venu ici. Oui, c'est vrai. Je vais parler encore un peu avec des gens pour en savoir plus. Mm-hmm. Les frères et tatata. Les frères. Eh Frangine, je vais crever de faim. Mais t'as déjà mangé de la soupe de chouette tout à l'heure. Chouette alors. J'ai un appétit de loup, moi. Il me faut plus qu'une soupe pour me calmer. Bah, quelque chose de plus rare et de plus copieux. Yao! Oh, te voilà, Papy Noiro. Yao, quelle est la promo d'aujourd'hui? Ah, c'est un mage noir. Je l'ai vu. Hein? Merci de m'apporter de bons articles une fois de plus. Eh, oh! Quoi? Attends un peu. Attends, Bibi. Courons-lui après. Attends. Bibi. Qu'est-ce qu'il y a, Jidan? Je comprends pas. Allez, on suit Bibi. Let's go. Bibi, tu as pu parler avec ce mage noir? Non, je l'ai perdu. Je vois. Mais d'où il venait? Il était avec l'armée de Branet? Vous connaissez les Noirots? Quoi, les Noirots? Oui, ils viennent très souvent de la forêt du Sud-Est nous échanger des articles. Ils habitent dans les environs, en groupe en plus. Pour aller à la forêt du Sud-Est, il n'y a qu'une seule route. Vous devez vous diriger vers l'Est jusqu'en bas de la vallée. J'ai entendu dire qu'ils habitent tellement loin dans la forêt que même les chouettes n'y vont pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Jidan, je voudrais aller dans cette forêt du Sud-Ouest. Du Sud-Est. Oui. Je veux y aller, moi aussi. Je pourrais y trouver quelques indices. Je vais n'importe où tant que je peux manger. J'aimerais bien dans un FF qui augmente les prix des objets de X% par temps de jeu. Yes. Bah, mange ta main et garde l'autre pour demain. D'accord, on part pour la forêt du Sud-Est. Let's go. Le Sud-Ouest, la base. La forêt du Sud... celle-là, là-bas? Je pense que c'est de ça dont il parlait. Je vais juste retirer les combats pour l'instant. Ouais, je pense que c'est dans cette forêt qu'il faut aller. Donc on doit pouvoir faire le tour comme ça. Et puis là, tu vas par là, dans la forêt. Voilà. Ah, une fleur dans le chat. J'espère que t'as bien ton billet d'absence. Nous sommes tous des fleurs. Allez, ça doit être là. Je crois que c'était si profond que même les chouettes n'y vont pas. Plein de chouettes, pas de chouettes. Bah, s'il n'y a pas de chouettes, c'est là-bas. Allons voir le village des Noirs. Ah. What? Mais il me troll en plus, ce sac à merde. Ah, c'est bien, on est tous bigleux, génial. Ça, quel plaisir. Y'a pas une route sur le côté?
Oh, un papibou. Trop bien. Par contre, on est tous bigleux, on va juste mourir en fait. Je me suis fait monter en l'air comme une grosse pute, génial. Mais touchez-le un moment. On va die. Ah, elle a appris Ramu. Yes. J'aimerais bien garder mes élixirs. Il a changé, maître Hibou, c'est ça. Oui. Le village des mages noirs. Oh oh. Non, 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 arrêtez, arrêtez. Pourquoi vous parlez si vite? Des hommes. Qu'est-ce qui vous prend? Des hommes. Attendez. Ils sont comme moi. Oui, tout à fait. Ils parlaient comme moi. Il y a des mages comme moi. Trop bien. Pourquoi y a-t-il un village de mages dans la forêt morte? Où est Bibi? Il est là-bas. Eh oh, Ray! Si un village, ça veut dire qu'il y a des spécialités, c'est la règle. C'est pas vrai, c'est toujours pareil. Ok, possession. Des hommes sont venus! Bibi! Ce village, c'est... Hein? Mais, qu'est-ce que... Bonjour, je m'invite. Oh. Mage noir 239, bonjour. Ah! Que désirez-vous, monsieur? Ah merde, j'avais déjà acheté un Galaxias, quel con. Quel énorme con je suis. Et j'avais déjà un Gradius, j'ai dû le looter. Ah d'accord, c'est pour la même chose, ok. Chaque mot. C'est lui, celui qui est venu avec des hommes. Ne t'inquiète pas, il a le même regard que nous, il s'est réveillé comme nous. Merci. Pourquoi il y a plein de mages noirs dans ce village? Nous sommes tous enfuis d'Alexandrie et des aérocargos. Jusqu'ici? Oui, nous avons dû venir jusqu'ici pour ne pas être rattrapés par les hommes et pour trouver un endroit où nous pourrions vivre en paix. Ah, je vois. Ici c'est... Qu'est-ce que c'est? Un cimetière. 56. Oui, c'est ça, tu es au cimetière. Un cimetière? Vous enterrez vos amis ici? Oui, nos amis restent immobiles dans la terre. Mais pourquoi? Parce que c'est... Nous nous sommes enfuis ensemble, 36 et moi, puis nous sommes arrivés ici. Nous avons construit ce village, nous avons vécu ensemble pendant un bon moment, mais... Un jour, soudain, 36 est tombé immobile. Il n'a plus bougé, il n'a plus parlé. Un de mes amis très intelligent m'a dit que, ce qui était arrivé à 36, c'était la mort. Et que quand on est mort, on doit se cacher dans la terre. 36 se cache toujours aujourd'hui. Mais je ne comprends pas pourquoi on doit entrer dans la terre, après... Je crois que 36 en sortira un jour et nous jouerons à cache-cache ensemble. D'abord, je laverai son corps et il devra être plein de boue. Pourquoi il est mort? Il était malade? Il a été gravement blessé?
Dites-moi, pourquoi il a dû mourir? Parce que c'est... Le drama! Donnez-moi les informations! Bonjour. C'est un peu triste comme on dirait les enfants, c'est ça. C'est légèrement malheureux. Envahisseurs et visiteurs. Oh, excusez-moi, ce village est... Pourquoi vous êtes venu ici? C'est notre village à nous. Oui, notre village à nous. Je sais, vous avez dû vous faire guider par ce petit là, jusqu'ici. C'est toujours pareil avec les hommes, ils nous traitent très mal. Ce petit là, vous parlez de Bibi? Non, non, vous vous trompez, nous n'avions jamais vu de mage noir comme Bibi, c'est leur propre volonté. Et puis, nous sommes venus ici pour arrêter celui qui vous fait vous battre. C'est vrai? Ne te laisse pas avoir. Les hommes ne disent que des mensonges. Mais c'est la vérité, et je suis une femme. Nous voulons vraiment l'empêcher de continuer. Woot. Tu vois, Simba, un jour, je rejoindrai les étoiles. Ah, Jidan! Qu'est-ce que t'as, Rey? Je disais que ce que nous voulons faire. Et ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut déjà? Jidan! Non, non, je plaisante, c'est une blague, te fâche pas. Oh non, il commençait à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, blague? C'est quelque chose de terrible? Pas du tout, c'est très marrant, pas vrai, Rey? J'ai l'impression que vous n'êtes pas comme les autres. Vous vous battez contre les méchants, n'est-ce pas? Exactement. Arrête de dire n'importe quoi, tu adores ça, on dirait. Au fait, où est Bibi? Je sais pas, moi. Je m'inquiète un peu. Je vais le chercher. Hé, hey, oh, Rey! Oh. Ah merde, il y a eu un... Une Jenny. Ah, ah! Pourquoi vous m'évitez? Ah, ça doit être Susanna. Moi, je leur fais pas de mal, ils doivent me cacher quelque chose. Ah, il y a un truc avec des chocobos. Cette odeur, j'en étais sûr. Non, va bouffer des chocobos. Pas de touche. Pouic, déconne pas. Mange pas le chocobo. En vrai, c'est stylé comme village. Hein. Par contre, pourquoi monter ici? Quel est le but? Quel est le but final de l'opération? Ah. Putain, le coffre, waouh. Pouic, laisse salty, c'est ça. On va enfin savoir le goût du chocobo. Pilou. Ah. Hé, hey, Bibi. Qu'est-ce qu'il lui prend? Bon, allons par là-bas, déjà. Nature trop naturelle. Ah. C'est la nature de mourir. Je savais bien que vous cachiez un œuf. Sortez d'ici! Nous ne vous laisserons pas cet œuf! Ne soyez pas têtus, mes amis! Si on le partageait, cet œuf de chocobo, c'est vachement bon! On ne le mangera pas jamais! Coff nommé le planqué. C'est un œuf très précieux. Sa chocomama nous l'a laissé juste avant de s'arrêter. Nous en occupons à la place de sa maman. Non, vous ne pouvez pas! Vous n'avez jamais soigné un animal, hein? Assez, nous pouvons le faire. En faisant semblant de le soigner, vous le mangerez ni vu ni connu. Oh well. Quand on dort dans la terre, est-ce qu'on se sent bien? Il fait froid ou chaud? La bonne ambiance. Pourquoi vous parlez normalement? Parce qu'on s'est réveillé. On a eu chacun une chance de se réveiller. Vous vous êtes réveillé, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous vous souvenez de votre premier jour? Non, j'en ai aucun souvenir. C'est pareil, quand on s'en aperçoit, on est déjà tout à fait réveillé. Quand je me suis réveillé, un corps était par terre, à côté de moi. Le sang coulait, il était tout rouge. Ce n'est qu'après un bon moment que j'ai pu comprendre ce que voulait dire ce corps sanglant. À ce moment, je ne faisais que trembler dans une angoisse totale. Quand je suis revenu à moi, j'étais déjà loin du champ de bataille. J'étais pas le seul mage à qui c'était arrivé, et nous avons décidé de nous enfuir ensemble. Quelques années après notre fuite... Nous avons appris qu'il y avait un village où des mages noirs comme nous étaient venus se réfugier. Je vois. Plagiat des trois, become human. Notre chocobon.
Putain, mais il y a encore un truc là. Je peux pas passer derrière le comptoir. Il y a une échelle et tout. Eh bien, venez jusqu'au comptoir. C'est comme ça qu'on doit accueillir les clients. Oh, mais sale con. Ça, c'est une auberge. Ok, ils veulent pas de nous. Très bien. Bibi, qu'est-ce que tu as? Ah, Jidan, non, c'est rien. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression qu'ils sont sympas. Mais c'est vraiment rien. Je vais crever de faim. Y'a rien à manger. Ah, Bibi, te revoilà. Dis-moi, t'étais où? Tu es vraiment... Tu es un peu fatigué, c'est ça, Bibi? Oui. Va falloir que nous nous reposions un peu. Moi, je vais chercher quelque chose de mangeable dans la forêt. Tu prends un peu de repos, Jidan? Non, pas maintenant. On va finir de visiter le village. J'aime bien ce village avec entre l'OST et l'ambiance générale, c'est vraiment pas mal. Aha! Momog. Et Kubo, j'aurais une chose à te demander. Peux-tu porter ma lettre à Mogi? Merci beaucoup. Mais les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Quand le choco bébé en sortira, je le couvrirai de temps en temps. Quel nom va-t-on donner à notre petit? Salty. Bien, on va sauvegarder, on va se laisser là pour aujourd'hui les amis. J'espère que ce stream vous aura plu. On se donne rendez-vous évidemment demain, je pense, à partir de 14h. On va se faire une grosse session. Et on reprendra également le soir, donc n'hésitez pas. Attendez, je veux juste vérifier que je sauvegarde au bon endroit. Quincaillerie, c'est ça. Bien. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. On se donne rendez-vous donc dès demain pour la suite de Final Fantasy IX. D'ici là, portez-vous bien. C'était Ria. Des bisous. Bye.